Hello, coucou la team, comment ça va les copains? J'espère que vous allez bien. Coucou! Hello, hello, comment ça va? Coucou Mimi, coucou Lou. Hello Charlotte, comment ça va les gens? Hello Anako, coucou, bonjour, bonjour, Copic. Coucou Cyrine, je vais bien, merci. Estelle, Lola, par contre les gars, je vais juste enlever. Oh, regardez comme elle pète un câble. Mais arrêtez de faire une crise d'épilepsie, mes lumières. Ça va pas? Attendez 10 secondes, hein. Oh là là, mais c'est pas. Regarde! Non, mais on est où? Bande de merde, non, mais on est où? Oui, jugez pas, je suis en pyjama. Oui, et alors? Fais-moi mon pyjama comme il est beau. Hello! Else! coucou, Chloé, comment ça va? Je suis épileptique comme. Ah oh, non, mais là, vraiment. Pourquoi ces lumières faites un câble comme ça? J'espère que vous allez bien. Par contre, ma connexion, si tu bugs aujourd'hui, bah il n'y aura pas de live. Donc je vous préviens d'avance, si le live bug et tout, je vais pas me battre avec Mako. Tant pis. Il pleut dehors comme never, les gars. J'y peux rien. Donc si ça bug le live, je vais pas le continuer. Voilà, au moins vous êtes informés. Hein. Là, je vois déjà, c'est dans le rouge. Puisqu'il pleut des cordes et des luges, comme tu veux, dehors. Oh, c'est abusé. Ça tempête. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous souhaitez. Je vous mets le petit lien. En espérant que ça ne bug pas ce live, mais au vu de la qualité de la météo. Mon serveur Discord, hop là. Et aussi, je vous annonce. Merde. Oh, putain. Je me suis gouré de messages, tout va bien. Arrêtez de parler! Voilà, c'est bon. C'est bon, j'arrivais pas à écrire. Coucou, Olrian, je crois qu'on dit. Ouais, aujourd'hui, je vais mieux que hier. C'est pour ça que hier, je me sentais pas bien, du coup, j'ai préféré pas liver. Coucou, coucou, bientôt Halloween ou... Attendez, mais je suis... C'est moi ou mon téléphone vient? Ah, je sais. Parce que là, j'ai l'impression, genre, je suis... Oh, merci, Mimi Cracra! Merci! Ah, c'est bon. J'étais trop proche, là. On est trop proche, les gars. Voilà, là, c'est bon, on est bien. Merci! 11e mois, mais c'est... Oh là, déjà? Attends, ça veut dire que t'as commencé à te sub? Quand je liveais pas l'année dernière. Quelle logique. Chapeau les fleurs. Merci Chachou d'être là quand il faut. C'est fou quand même d'avoir une communauté aussi engagée, proche de moi. Hello! Bientôt les vacances. Ouais, c'est bientôt. C'est vendredi vos vacances, trop bien. Bah écoutez, profitez de vos vacances, hein, les gars. Du coup, je disais parce que je me suis fait interrompre. Merci beaucoup Mimi pour ton resub. Je pense que maintenant, à partir de la semaine prochaine, je vais pas liver tous les jours comme je le fais maintenant. Parce que. Ça me prend du temps et je sais pas comment dire, j'ai envie de faire moins de live mais des lives, tu vois, c'est plus intensif. Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai oublié de mettre mon nombre de subs, c'est vrai, j'ai filmé une vidéo, j'ai oublié de mettre le goal. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai filmé une vidéo ce matin, du coup j'ai enlevé, j'ai oublié de le remettre. Oh, triste, mais on te comprend. Ouais, après, enfin, je suis pas streameuse donc moi, perso, live ou pas live, ça change rien à mon taf, hein, vraiment. C'est juste. Le kiff, mais quand ça me fatigue, tu vois, ça sert à rien. Donc voilà. Hier, j'ai pas livé et je compte passer peut-être à 4 ou 5 streams par semaine au lieu de 7. Faire un peu moins de streams, mais au moins, bah, je suis sûre que vous serez là vu que, comment dire, je liverai moins, mais ce sera le point de rendez-vous. Soit je live là, soit je live pas. J'ai changé mon serveur Discord, je vous invite à venir nous rejoindre parce qu'en fait, j'ai vraiment fait plein de modifications. Pour les petits trucs en mode Halloween, donc c'est-à-dire j'ai refait la photo de profil. Et aussi, je suis contente, j'ai. Avant le live, du coup, j'ai refait un petit peu l'esthétisme de. Ouais, de Twitch, de YouTube, etc. J'ai un peu refait ma DA artistique, on me dit. Attendez, je vais juste mettre mon lien comme quoi je suis en live. Merci Sakura, ça me fait plaisir, vous êtes trop gentil. Merci d'aimer autant mes vidéos en ce moment sur ma chaîne de lifestyle. Et pour la prochaine, mes deux prochaines vidéos lifestyle. Mercredi, What's on my phone 15 et ensuite un vlog, une semaine dans ma vie. Je pense que ça peut être une bonne idée du lundi jusqu'au vendredi, donc qui arrive. Après, bien sûr, j'ai pas tout vlogué, hein, vous doutez bien, il y a quand même des trucs qui vont rester privés, mais voilà, 4 ou 5 lives, c'est top. Ouais, je pense que je vais faire ça. Vous préférez quel jour de stream? Moi, je vous explique dans ma logique. Mercredi, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est sûr, j'y garde. Après, tout ce qui est par exemple lundi, jeudi, enfin, vous avez cours, quoi. Je sais pas comment dire.
Lundi, tu vois, c'est chiant. Le lendemain, t'as une grosse journée. Le jeudi aussi. Contrairement le vendredi, tu vois. Donc, je pense que je vais liver. Ouais, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et peut-être le mardi, je verrai. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Coucou Blair, comment vas-tu? De Seb pour défoncer un habitant à partir de... Ah, Madara, bien sûr. Dans 80... Dans 90. Dans deux Seb. Pensez à vous, Seb. J'ai pas d'argument. C'est tout. J'ai des anniversaires à DM. Attendez. Oui, joyeux anniversaire. Faudrait que je mette mon... Puisque j'ai un stream deck que je ne mets pas. La honte. Joyeux anniversaire. Comment vous allez, ça va? Oh, ça me gratte la tête. Hi, ce bébou. Ah, Claclou, t'es légitime. Non, t'es illégitime, t'as eu un sub-gift. Mytho. Je rigole, je rigole. Et du coup, j'ai un peu refait ma photo de profil. Attendez, je vous fais voir. Et franchement, je suis contente. Il y en a qui m'ont pas aimé parce que c'est que rose, mais... Merde, c'est pas mes... Je passe sur mon hôtel. Bref, par exemple... Attendez, là, vous voyez en jaune parce que, bien évidemment, Charine met toujours en jaune. Donc, voilà à quoi ce que ça donne. Voilà. Photo de profil, bannière de loin. Ça, c'est sur Snap. Du coup, ça rend pas pareil, mais sur YouTube. Ah putain, je vois. Merci Lolo, moi aussi j'aime trop mon décor. Et désolé si la mise au point met un peu de mal parce que bon, vous voyez bien que c'est tellement clair la couleur. Voilà. Voilà ce que ça rend. Ah, on voit pas trop. Si, on voit. YouTubeuse beauté, bonjour. Voilà, je suis contente. Et j'ai refait aussi un peu mon serveur Discord, donc j'espère que vous allez l'aimer. Trop chou, merci. J'ai refait le template. Ah bah attendez, je l'ai sur X. Ça me gratte la tête. Ça me gratte la tête. Donc j'ai refait la photo de profil. Désolé, ça revient orange. Bannière, le template pour les vidéos YouTube et le template pour Twitch. Et attendez, c'est l'écran inversé ici. Donc voilà, je suis contente et j'ai fait pareil pour Discord si vous voulez aller voir. Je vous ai mis le lien de mon serveur Discord dans le commentaire épinglé du live. Oh merde, c'est bon qu'il n'y a pas de citrouille. Ah oui. Du coup, voilà, j'ai fait en... Bon, de base, c'était que orange, mais Alan, enfin, Enric m'a dit que c'était mieux en violet, il a raison. Joli en violet. Voilà. Donc j'aime bien. Bon, désolé, ça rend très très orange parce que j'ai mon écran en jaune. Donc je compte continuer un peu à refaire ma DA demain. Je pense que je vais changer les panels de Twitch, les petits panneaux. Je vais changer... Mais ça me gratte, c'est... Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé aussi peut-être l'intro, parce que c'était plus quelque chose de temporaire. J'ai des nerfs Adem. Non, je sais pas, genre je me dis c'est peut-être du sébum. Non, je sens. Mes cheveux ne sentent pas, ils sont pas sales. Je sais pas, je vais les attacher. C'est bizarre. Ça me gratte la tête. T'inquiète, Chachou. Il faut que je fasse voir l'île. Et ce matin, j'ai filmé une vidéo YouTube. Hier, je suis désolée si j'ai pas filmé... Enfin, j'ai pas fait de live, je vous ai même pas prévenu sur aucun réseau, je n'ai pas parlé. Je me sentais vraiment pas bien et j'avais juste envie de... rien posté, donc j'ai pas posté. J'ai pas vu c'est quoi aujourd'hui, j'ai pas compris. Coucou Fadil, tu peux éviter d'écrire en majuscule s'il te plaît, mais bienvenue à toi. Non, je connais pas Honkai Star Rail, c'est quoi? J'ai me brossé les cheveux ou m'attacher les cheveux, je sais pas, ça me gratte, ça me démange, c'est horrible. Merci ça petit. Et aussi pour mon décor, je pense, vu que j'ai pas de LED, hein, mais je pense, vous voyez, moi c'est écrit Shine Cherries en moche. Je pense, je vais prendre le logo que j'ai créé, comme une grande. Le logo que j'ai créé, attendez, on va aller là. Vous voyez ce logo là? Ça, ce logo. Je l'ai en image, et du coup, je pense que je vais imprimer les lettres et juste, au lieu que ce soit ce truc en noir moche, ça sera avec le rose. Ah, j'aime. Désolée si je me brosse, mais ça me démange derrière la tête. Je sais pas, c'est bizarre. Je dois utiliser des produits qui doivent pas être adaptés, mais ça me gratte de ouf. J'ai pas de poux. Hein. C'est vraiment genre... Le cuir chevelu, ça me gratte de partout. Ah, j'ai des puces de lit dans la tête. La brosse, notre meilleure amie, oui. Bon, du coup, vous me pardonnerez d'avance. Hein. Et oui, c'est la 50e fois cette semaine que je porte ce pull. Ça fait peut-être 2 jours d'affilée. Des fois, je suis un peu... Ouais, je suis une grosse mode Discord. Je dors avec le pull, je vis avec le pull, la journée. Du coup, voilà, vous m'excuserez. Hein, aujourd'hui, je suis habillée comme... peut-être... Bon, de toute façon, hier, j'ai pas streamé. Je lave souvent les cheveux. Non, 2 fois par semaine, j'ai jamais eu de problème capillaire, j'ai jamais eu les cheveux gras, ni quoi que ce soit, au contraire.
Mais là, je sais pas, ça me gratte derrière la tête. Bizarre, ça me gratte de partout. Coucou Victor, comment ça va? Bienvenue en tout cas, j'aime trop mon décor. Non mais là c'est chiant, ça me gratte de partout, je comprends même pas. Bizarre. Lundi, on commence tout. Ouais, j'ai vu, vous commencez tous les cours à 10h. Donc j'y ai pensé, hein, je sais très bien que je streamais pas à 14h, mais par exemple, imaginons, admettons que moi je streamerais lundi après-midi à 14h, il y a une minute de silence qui est prévue. En hommage à tout ce qui s'est passé en ce moment, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Et donc, si j'aurais été en stream à cette heure-là, bah, j'aurais fait une minute de silence en live. Et désolé si je me fais des films, j'aurais, genre je me serais dit, j'aurais mis le chat juste en émotion. Enfin bref, faut que j'arrête de me faire des films. Merci Rosanna. Du coup, hier, ouais, j'ai vraiment pas stream avec tout. Enfin, il se passe. Hier, c'était négatif ma journée, que de la merde. Et ça faisait 2-3 jours déjà que je vous parlais comme quoi il se passait trop de choses négatives dans ma vie. Et en plus avec l'actualité, j'en pouvais plus. Donc vas-y, ça m'a saoulé. Non, non, les gars, c'est vrai, vous commencez à 10h lundi. Je ne déconne pas, les gars. Vous commencez tous lundi à 10h. J'ai eu ça à la télé. Bisous, bisous, bonne soirée. Yuno, écris pas en majuscule, s'il te plaît. Par pitié, écrivez pas en majuscule. Après, je sais. Non, c'est pas valable pour les autres pays, mais qu'en France. Bonsoir, comment ça va? C'est ça, Soussou, que je me suis dit, je suis désolée, j'ai pas envie de parler d'actualité, hein, mais je me suis dit, étant donné que j'ai quand même une communauté grande, ça veut dire forcément j'ai des abonnés qui sont dans ce collège, ou dans ce lycée, je ne sais quoi. Donc c'est... Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je me sens... Comment dire? Touchée, impliquée, enfin pas impliquée, mais vous voyez. Lundi, je commence de base à dire, super Mika, tu t'es bédé. Bienvenue Rosania, en tout cas j'espère que tu vas bien. Merci pour ton follow, ça fait plaisir, bienvenue. Comment ça va? J'ai une pote, elle fait tous les jours, celle que je lui disais qui faisait 8h-18h tous les jours. Ah là, elle va être contente, hein. Oh, oh là là. Je me craque le bassin. T'as passé une bonne journée, Adem, pour ton anniv? Il faisait mauvais aujourd'hui. Au moins, il faisait pas trop chaud. Hop là. Du coup, on commence quand même à 8h. C'est une blague? Nul. Je sais pas, on parle quand même d'un truc national. Non, sous prétexte, on est dans un... C'est bizarre. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait les courses avec mon papa. J'ai filmé une vidéo en rentrant. J'ai fait le montage. J'ai continué de l'après-midi. Je suis allée me balader dehors. J'ai fait la DA enfin de ce que vous avez vu là. De YouTube. Twitch. Demain matin, du coup, soit je continue ce soir à faire la DA, soit demain. J'ai eu un pic d'envie de faire un live. Du coup, voilà. Vu que je sais que c'est la dernière fois que je fais un live tous les jours pendant une semaine. Enfin, désolé, hier, j'ai pas rêvé. Mais voilà, donc... Bah, autant en profiter. Pour faire un gâteau devant son pseudo. Je sais pas, Adam, je crois que c'est pas en rapport avec l'anniversaire, je suis dégue. Dites-moi si vous entendez bien la musique de fond. Halloween, ils vont dire que je ne suis pas une pro. Bah t'inquiète, hein, c'est pas grave. Putain, ça me fait penser à quelqu'un sur TikTok. Voilà, t'as capté, j'ai capté. Je m'assieds dans 15 jours, claque-loup, ça arrive! Dans un samedi en plus, tu l'as? Ok, je savais pas, Cyril. Mais donc voilà, au niveau du décor, ici, ça va changer. Ça sera avec mon logo que je me suis créé. Parce que j'ai pas, je sais que c'est vrai ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de prendre de graphiste. Dans le sens où j'ai pas envie de payer un graphiste pour un truc qui me plaira pas parce que... Je sais pas comment dire, mais ce sera pas moi qui l'ai fait, donc ça me plaira pas. Ce sera pas parfait comme je veux. Je dis pas que je sais faire, mais même si j'ai pas les compétences par rapport à un professionnel, c'est moi qui fais, donc c'est moi qui sais ce que j'aime ou pas. Précisément à 100% ou pas. À la couleur près, la teinte près. Coucou Halloween, comment ça? Oh, j'ai mal au dos. Oh, hier, je me suis tapé une crise d'angoisse, c'était horrible. Et vu que j'avais plus l'habitude d'être stressée. Moi, d'habitude, j'ai toujours vécu avec le stress. Là, ça allait un peu mieux, j'avais plus les cours, mais là, quand j'ai retapé ma crise d'angoisse comme quand j'avais cours. Oh, j'ai. Mon cœur, il s'est emballé, c'était horrible. Faudra que je fasse les tests de maquillage, moi, pour. Pas Halloween, mais je vais pas faire un truc de fou, hein, mais. Vous voyez, c'est horrible. Putain, mon corps, là, il est en train de me faire un. Il est en train de me dire. C'est pas fini! Ah, j'ai trop mal au dos maintenant. Après le cuir chevelu, le dos. C'est quoi la prochaine étape? En ce moment, mon corps là, il est vraiment broken.
Non, non, t'inquiète, Chachou, je vous en parlerai pas, je suis désolée, mais j'ai trop mal au dos. Est-ce qu'on va commencer à jouer Animal Crossing? Non. Bref. Faisons un peu d'étirement. Ah là là. Attendez, je vérifie tout, c'est bon. Bah ouais, évitez les majuscules s'il vous plaît les gars, parce qu'en fait ça, je vais faire une crise d'épilepsie et déjà qu'avec mes lumières tout à l'heure vous avez failli en faire une. T'inquiète, je vais te faire bouger. Oh Mika, t'as pas fait ton sport toi. Parce que Mika c'est vraiment le pro à dire oh, je fais mon sport, vraiment genre le jeudi à, 10, à 22h. J'ai pas fait mon sport, le jeudi à 22h. Sur ça comme ça. On s'étire, oh non vous êtes chiant. Vous êtes mimes quand même, hein, mais vous êtes chiant des fois. si j'essaie de vous répondre. C'est moi les couleurs sont archi saturées. Non parce que je pense que c'est le soir. Ouais c'est le soir, ça va être les lumières. Je sais pas. Violet c'est beau. Bleu. Y'a pas du rose. C'est la meuf qui est pour le rose. Pas très rose ça. Je sais pas, contente. Du coup, jouons à Animal Crossing. Je sais pas si vous connaissez ce petit jeu. Enfin bref, moi je connais pas. J'ai enlevé mes goals et tout. Dites-moi si vous entendez les musiques de fond. Dites-moi si vous entendez bien parce que j'ai filmé une vidéo tout à l'heure. Je me suis mis en bleu pour Nevalska. Voilà, je suis pas en mode Noël, c'est juste bleu pour Nevalska. On va mettre mon cadre. Non mais. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir un cadre de la mauvaise couleur, mais ça fait pas tout. Contraste, décalage de teinte, c'est du orange. C'est plutôt ça. Oh, c'est beau en rose comme ça. Ah voilà, c'est ça. Là, ça fait trop... Voilà, orange. Parfait. Nous sommes dans du orange. Parfait, parfait. Go me laver, fais pas de bêtises, promis. Et regardez comme mon île, comme elle est belle. Ça a tout poussé et... ah, mais franchement les gars, j'aime trop. Moi qui déteste ce thème d'île, regardez-moi ça comme c'est beau. New Horizon sous New Leaf. Des fois je me tape des déterres en mode New Leaf, New Leaf. Donc non non, New Horizons mais... New Leaf on a tout vécu. Regardez, faut qu'on fasse les maisons. Il faudrait que l'on fasse potentiellement dans un monde... les maisons. Mais ouais, j'aime trop mon île. Genre ça se voit, c'est mon île. Pour ça, il faut pas que je regarde sur Pinterest. Bref, j'ai filmé une vidéo. Est-ce qu'on ferait pas une petite house? Merci Shoxy pour ça. Tu gères, magnifique. Donc j'ai plein de petits trucs comme ça à prendre. Merci pour vos compliments, ça me fait trop plaisir. J'aime, bah, j'aime mon île. Hein. C'est un peu le concept de faire une île. Voilà. Qui a eu sur ça? De quoi? J'ai pas compris, Cyrine, de quoi tu parles? J'y boulèche trop bien. Si, j'ai Amande au camping, faut qu'on la fasse venir. J'ai filmé une vidéo et du coup, il y avait Amande et j'ai dit dans la vidéo, ouais, faut qu'on la fasse venir. La vidéo sort demain. Et pourtant, c'était plus dans mes habitudes de faire des vidéos du jour au lendemain comme ça. Mais Chachou, je t'inquiète, je vais pas te prendre des fleurs. Oh, mimi ça. Attendez, on voit même pas le... Personne m'a dit qu'on voyait pas la cerise. J'ai besoin moi de voir la cerise, non mais... Je suis un peu mal cadrée, attendez. Je suis mal cadrée, non. J'ai dit net, oh mimi. Amande, elle est trop belle, en plus elle est bleue. Vous la voyez quelle couleur? Bleu, turquoise ou vert? Je sais pas. Moi je la vois vraiment turquoise. Pas bien centrée, non du tout, je suis pas très bien centrée mais je veux... Voilà. Là, je suis bien centrée. Le problème, c'est que la télé, elle est comme ça. Alors. Donc, elle est pas très droite. Turquoise. Turquoise, vert. Hier, j'ai pas live, non. Coucou, troubillon nucléaire, comment ça va? J'aime ton pseudo. C'est clairement le type de pseudo que j'aurais pu inventer. J'ai inventé brebis galante, cactus amnésique. Et dans... Mais vraiment, j'étais chelou en hein, quatrième. Trombinoscope tétraplégique. Bien évidemment, le trombinoscope tétraplégique. Vraiment? J'étais chelou. Bienvenue, Manon. Non, Claclou, ça switch dans 2 semaines.
Alors, mais là, je l'avais sur une leaf. Ça fait deux streams que je ne gagne plus de points de chaîne. Claclou, faut clique en bas. Faut les accumuler, tes points de chaîne, je sais pas. Allez, viens sur mon île, vieille folle. Au pire, c'est pas grave, on prendra un autre habitant. Tu saoules. Bon leur Kino. Allez, mais viens sur mon île. Oh là, les habitants qui font ça. J'ai pété à mon crâne. Blablabla. T'es chiant. Pour 10 euros, putain, Madara, c'est quoi ces trucs? Vous êtes en quelle classe? En 6ème. Oh, Esther, c'était horrible. Bon, j'abandonne. Elle est grave mimes. Ouais, mais elle veut pas de moi. Il manque grave. Enfin, il manque que les fleurs. Et les arbres, ils sont pas encore poussés. Enfin, ils n'ont pas encore poussé au max. On va continuer à mettre des petits meubles aujourd'hui. Cherchez pas à comprendre pourquoi il y a ça. C'est une longue histoire. Hello Biscuit Moon, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Tu es super personne, tu es magnifique. Merci, c'est gentil, Nao. Ça veut dire quoi, Lurk? Lurk, c'est quand t'es sur live mais que tu parles pas. Genre, il est en fond, le live. Mais n'hésitez pas à sortir du silence, les lurkers. Je vais vous agresser en live en mode bordel, le silence, comme ça. Et comme ça, vous allez parler. Et ouais, hein. Ou sinon, j'utilise la méthode radicale quand il y a personne qui parle. Je demande aux gens de parler. C'est vraiment quand t'es en mode parler, parler. Comment ça? Je peux pas monter plus haut. I'm sorry. Mm-hmm. Bon appétit, Adem. Bon gâteau d'anniversaire. Allez, un peu de sport, madame. Oh putain, Jojo, tu fais chier. Je t'aime, Jojo. Je t'adore. Allez, Jojo. Merci, Jojo. Merci, Jojo. Oh là là, merci, Jojo. Oh, petit étirement. Ça va me faire du bien. Dictature, mais là, c'est plus qu'une dictature, ce stream. Moi, j'ai rien demandé. Et là, vous me dites quoi? Étirement. Je trouve ça un peu... Ouais, c'est grave, la dictature. Ici, vous avez un peu tous changé. Merci. On va faire... Faisons de l'aérobic. Faisons de l'aérobic et pas de l'aéronique. Allez. Le problème, c'est que je perds mon bas. Attendez, je perds mon bas, les gars. Donc j'ai pas envie qu'on soit en mode... Hop là. Je vais poser dessus. Vous êtes lourd, vous êtes lourd. Je vais finir encore debout sur le live. Faisons de l'aérobic. Merde, j'ai oublié mon micro, quelle conne. Allez hop, c'est parti. Mouvement, bouton. Attendez, je ferme. C'est bon. Bouton, mouvement. Allez, mouvement. Je lis vos messages. Un peu d'aérobic, ouais. Allez, allez, Véronique, un peu d'aérobic. C'est drôle. J'aime trop quand ils font les dabs. Allez hop, on lève le bras. On lève le bras. J'ai tapé mon trophée, moi. Sport, un peu de sport, ça fait du bien. Vous savez que j'aime trop le pilates, ça a l'air trop bien. Attends, faut faire quoi? Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle. Parfait. Merde. Tuc, tuc, tuc. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on dab. 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 Et on craque le bassin. Sensualité. Sensualité. À plat, parfait. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et après, je perds mon bas. Attends, pars comme ça. Rires.
Est-ce que je vous ai convaincu, les gens? Il saute pas. Mais c'est trop chiant. J'y suis jamais arrivée. Je pense que je dois bien le faire, le truc. Est-ce que je vous ai convaincu? Putain, on dirait... Oh, dites-vous, il stream vraiment comme ça, premier degré. Enfin, les gars, on voit pas votre gueule. Faites un effort. Enfin, on veut bien qu'il y en a qui sont complexés et tout, mais là, il y a un minimum. Attendez. Bonjour, vous voyez ma tronche, en gros. Oh, ah non, mais imagine, je stream comme ça. Coucou. Coucou. Merci pour le follow. Irina, putain, comment ça va, Irina? J'étais justement en train de faire la danse, là. Comment ça va, Irina? Irina, danseuse professionnelle, là, j'étais en train de faire l'aérobic sur Animal Crossing. C'était magnifique. On a fait notre sport de l'année. Comment vas-tu, madame? Ça fait plaisir. Et merci beaucoup, Mikila, comment vas-tu? Coucou, j'ai vu ton feu d'artillement, putain. Irina, elle va trop sous de ma gueule, parce qu'en fait, Irina, j'ai rencontré à la convention d'Albertville. Elle faisait du Just Dance sur scène et tout. Moi, j'ai monté sur scène aussi, vraiment, je savais grave pas danser, mais vas-y, c'est... en vrai, Just Dance, c'est trop bien. Même si tu sais pas danser. Genre, moi, je sais pas danser. Genre, tu sais pas danser, on s'en fout. C'est le concept. Par contre, c'est grave fatigant, Just Dance, sachez-le. Tu peux me donner un deal? J'ai pas forcément d'idée de mon deal. Merci Alban pour le follow, comment vas-tu? Franchement, magnifique. D'ailleurs, un plan d'iPhone, tu conseilles? Pour 2023. Et je crois qu'il y a le truc des ondes. J'étais bien débrouillée. Non mais franchement, c'était tellement une bonne expérience et hâte de revenir à Chambéry et tout. Enfin, que tu viennes à Chambéry, parce que moi j'habite à Chambéry. Ça va être trop bien. Franchement, les conventions avec Just Dance, c'est si drôle. Il y a toujours 2-3 personnes qui connaissent toutes les danses et tout, vraiment des professionnels. Une fois, j'étais à côté d'un qui connaissait toutes les danses et tout, j'étais... Alors, nous ne jouons pas dans un cours. Ça me fait mal au cœur. Je veux le même pull, la ref. Ah là là, c'est le pull de l'anniversaire à ma grand-mère. Mon goût. Il est trop beau. J'aime trop ce pull. Sauf que j'ai déjà épluché. Non, il a déjà des peluches, genre... Voilà, je vous laisse imaginer. Bienvenue. Ils sont pas retirés avant. Ah bah trop bien. Allô, salut Nasser. Nasser, voiture, Trera. Ah, Rapta Stenda. Eh, Rapta Stenda. Oh. Oh putain, la gueule que ça fait. Du coup, j'ai beaucoup trop de fleurs, donc si tu veux, ça me dérange pas. T'as quoi comme fleurs? Hâte de revenir aussi, comme tu danses avec moi, je crois. Et des conseils. Oh bah let's go, Irina. Ça va être trop drôle. Bonjour, comment ça va, Kat? J'ai un vêtement de la marque Mango. Ah, mais moi aussi, ma robe verte, là, de mon anniversaire, de mon mariage. Oh, elle va te coucher. Balle du lycée. Ça remonte, hein. L'année dernière. Mais vraiment, c'était une époque. C'est quoi ces tenues de merde? Je comprends pas le concept. Bienvenue à ceux qui arrivent. Tu as acheté tes 20 000... Tant que t'es descend... J'ai pas... Ah, le ballon, tu veux dire? Prends une photo. Ah oui, je vois de quoi tu parles, Cyrine. Le fameux ballon en mode 200... Enfin, 20 000 abonnés sur TikTok. Twitch. Et en plus, on dit follow. Et 200 000 sur YouTube. Je sais pas, sur YouTube, d'ici la fin d'année, peut-être. Ou peut-être un peu après. Faut que j'analyse. Parce que là, je gagne moins d'abonnés. Donc je me dis... En vrai, 2024 sur je les ai. On verra. On n'est pas pressé, personne n'est pressé. On se calme, les gens. Calmez-vous. Tranquille. La personne qui veut à tout prix partir et être sponsorisée par Dubaï. Madara, je vois pas de quoi tu parles. I don't know. Je commence à 8h. Bah pareil, t'inquiète. Merci pour le follow, Michou, le boss. Oh, c'est beau. Coucou, Mina, comment vas-tu? Vraiment, mon île en mode Noël, on l'adore. Mais je sais pas... Eh, franchement, les gars, si vous avez des conseils, des idées, mais je vous attends. Hein. Ah, mais oui, attends, j'avais mon truc de remodel avant qu'il y ait un abonné importuné qui défonce tous mes projets, là. Je vais péter ça en remodel. Non, mais on est 20 200. Ah bah merci. Bah voilà, c'était tout.
Merci Inès, merci pour tous vos cons, enfin tous vos conseils, pour tous vos messages gentils, j'allais dire méchants, bah oui vos messages hideux, non je rigole, trop gentils et tout, vraiment merci merci. Merde. Ah ouais Chachou, tu peux les prendre et venir sur mon île. Je t'ouvre. Non j'ai pas de code onirique parce que vas-y regarde la gueule de mon île. Même mon île on dirait qu'elle a le Covid tellement qu'elle est... Je sais pas, elle est pas finie quoi. Oui madame. Tu me donnes les fleurs. Tout de suite. Là il y a des gens qui vont se dire mais pourquoi t'exploites tes abonnés? Non, non, quand même. Je suis pas comme ça moi. Mais elle est magnifique. Est en cours de construction. Il n'y a pas de haie à Nevalska. Mais oui, Nevalska est en cours de construction. Nevalska. Ce que. Non. Pardon. Pardon, désolé, ça m'aille. Pardon. Mais TikTok, je trouve, ça prend trop de la place dans nos vies, là. Qu'est-ce que. Mais non! J'ai toujours pas compris c'était quoi le délire entre Skuske et la Grind. On communique dans le Skuske, mais c'est quoi ces conneries? Franchement, je trouve que la génération TikTok. C'est comme là, il y a 2-3 meufs sur TikTok là qui ont 12-13 ans, se font manier à leur compte, je sais pas quoi. C'est des cassos, y'en a! Pardon, mais ça m'énerve! Désolée, je suis énervée. Vous avez affaire à un homme en colère! Charine, tu veux un chachou combien s'il te plaît? Je vous la donne, hein. Installe TikTok, ça sert à rien. Non, mais je fais mes TikTok moi. Pas TikTok qui sert à rien, c'est les autres qui produisent du contenu. Genre, ça me dérange pas de produire des TikTok. Mais c'est voir les autres. Tu as raison, j'ai toujours raison. Pourquoi vous remettez en cause ma parole? Oh, j'ai tiré le fil de ma chaussette. Ma chaussette, j'ai tiré le fil. Je suis un robot, je suis une intelligence artificielle. Je suis la copine de ta petite cousine. Oh, tout à fait, tout à fait. J'ai pas de petite cousine. Comme ça, vous êtes démasqués, les gars. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens. Trouvez-moi des trucs bien à mettre sur mon île. Ouin ouin. Je vais mettre un renne. Non, on va pas mettre de renne. Mettons des cadeaux. Un piccolo. Comment on dit cadeau? Gift. C'est la meuf qui est obligée de traduire dans une langue. Je kiffe cette émote. C'est effectivement, il y en a qui ont une petite addiction envers cette émote. Seulement l'élite peut l'utiliser. Le reste, vous êtes tous des gros traîtres. Les autres, voilà, vous, on vous parle pas. Le reste, on vous parle. Non, c'est moche. Ah là, ça m'énerve. Oh là là, que ça m'énerve. Oh là là, que ça m'énerve. Vous avez affaire à un homme en colère. Bon, on va mettre des motifs comme ça, ça bousille de la place et je me sentirai moins coupable de faire de la merde. Attends, mais je vais voir ta vieille mezzanine. Oh, Lily, t'abuses. Mais quelle honte. Je sors un vlog et tu oses ne pas le regarder dans la foulée. Mais c'est une honte internationale. Priorité au direct après, je dis ça déjà. C'est comme les gens qui sont pas sur mon live, je sais pas quoi, du sport. On s'en fout du sport. Entre regarder une coupe du monde du rugby et regarder live de Charine, enfin, la question se pose pas quoi, enfin bref. Je pense qu'il y a un souci de priorité pour certains. Et un gros. Oui, oui, oui. On dirait à chaque fois que j'ai vu un truc mal à Flauberry en mode oh, stress. Ça c'est moi hier. Mais c'est moche. Vous avez affaire à un homme en colère. Bah bien sûr, Luno, quelle question. De toute façon, je pense que les gens qui regardent le live ne sont pas trop intéressés par l'actualité qui est... Quelqu'un aurait un mot pour qualifier cette actualité en ce moment? Moi, je dirais catastrophique, cataclysmique, horrifique, abominable. Qui reste à mon avis? 72 jours, ça va. Ça va, 72 jours. Je suis en lycée, j'ai peur. Peur de quoi? Angoissante, terrifiante, horrifiante. Actualité de merde. Je sais pas si vous regardez Hugo Décrypte. Moi j'adore, je regarde vraiment Hugo Décrypte pour m'informer sur l'actualité. Le pauvre, je sais pas comment dire. Ceux qui regardent les actualités, on voit bien que Hugo il est fatigué, un peu mal. Enfin après c'est logique quand tu baignes dans cette actualité de merde. Je t'en imprègne. J'ai déjà fait l'aérobic.
Ouais, en plus, moi, ça m'attend, ce genre de choses. Je suis en mode... On respire dans la joie et la bonne humeur. Qu'ils sortent un jeu... Ah, là, ils ont sorti un DLC, ils ont pas sorti de nouveau jeu. Et heureusement, hein, vu la médiocrité des derniers Pokémon. J'ai vu la vidéo de Josplay, dessin animé version Pokémon. Sa vidéo était magnifique. Je suis prête. Je t'ouvre en ami. T'as tout pris, hein. Vraiment, genre, t'as plus de place dans tes poches. En plus, je suis chiante. Faut qu'on fasse le DLC aussi. Qu'est-ce que tu veux me donner, toi? Je suis... Attendez, vous êtes trop proches de moi, les gars. Trop proches, là. J'ai trop envie d'avoir une petite musique, là, dans mes oreilles. Le problème, c'est que... Putain, vous voyez, j'ai fait déjà le truc. Les ondes, là... Les vrais savent quand je fais ça, mais c'est même pas genre. C'est la même sensation de. Ah. D'une craie contre un tableau qu'une fourchette dans une assiette. Ça me procure les mêmes choses, c'est horrible. Ça me prend dans le cou, quoi, rien que d'y penser. Hello Lisa, comment ça va? De go décrypte à mon prof pour ne pas. Ah ouais? Bizarre. J'ai regardé la vidéo dans tes lives, il y a vraiment une fille, elle est arrivée, elle t'a dit. Deux points. C'est-à-dire. Ah oui, putain, oui! Mais oui, en plus, j'ai répondu genre, bah c'est comme ça que les meilleures relations commencent. C'est comme une personne dans mes commentaires qui me dit, dans mon collège, il y a tout le monde qui dit que tu fais pitié, mais moi, je trouve pas. Pardon? Je te demande le pardon du Seigneur? Comment ça? On est où? Mais on. Mais ça se dit pas. Bon, après tout le collège, on dit pas. Bah oui, enfin on dit pas ça et tout le collège, les gars. Je veux bien être un minimum réputé connu, mais là il y a un minimum quoi, tout le collège. Elle passe tout le temps. Elle 1er novembre, vous êtes après Marie-Carole va faire sa petite vidéo en mode hé hé, je suis là. Vaguement, je trouve les médias toxiques. Regardez pas BFM TV, sinon je vous tirez une balle. Hein. Franchement, surtout pas. Pour votre bien. Hugo décrypte. Hugo décrypte. J'aime bien. En plus, c'est accessible, c'est chill, c'est simple. J'ai envie d'écouter la musique, là. Oh, j'ai envie d'écouter ma musique, sauf qu'il y a des droits d'auteur. Je fais comment? Les gars, je fais comment? J'ai de la musique, mais il y a des droits d'auteur. Oh, trop bien, Japan Touch, Claclou. Putain, vous réservez vos billets? Faut que je demande à... Comment il s'appelle? Ed. Pour savoir s'il a eu le contact. Non, c'est ma mère, elle doit... Elle fait autre chose. Du coup, je la joue, je suis ouvert. Et aussi, vous en foutez peut-être. Viens, toi, VG, t'as vu? J'ai mis un S, ça vient. Comment ça, j'ai pas mis de S, ça vient? Si, j'ai mis un S. Bah oui. Impératif, non, parce que là je me dis j'aurais pas fait cette faute moi. Pardon. Mais faire ça, moi ça me. Vraiment, j'aurais été trop mal. Merci Biscuit Moon pour ton sub. Oh, merci pour ton Prime, bienvenue. Je te fais un cœur. Oui. Comment rejoindre ton île? Désolé, c'est juste pour. Enfin. Chachou qui est mon exploitante professionnelle. Attendez, il y a quoi comme musique sans copyright que je peux écouter avec vous? J'ai trop envie d'écouter de la musique. Mais j'ai envie. Le problème, c'est que j'ai envie d'écouter mes musiques. Deep 23h russe dépression. C'est les. Comment qualifier mes chansons que j'écoute? Deep russe dépression. J'appelle ça comme ça. C'est vraiment des musiques russes que j'adore. C'est des musiques de TikTok en mode bad edit et tout. Oh là là. Mais le problème, c'est qu'elles ont des droits d'auteur. J'ai envie d'écouter Okan FZ. Oh là là. Ça m'arrive jamais. Tous les Français. Du Gangsta's Paradise. Oh my gosh! Du Gangsta's Paradise! Pardon! Oh, j'ai envie de l'écouter. Mais du coup, vous en profitez pas, vous, parce que. Pour la rediff. Faut que je mette le truc de. Du comment ça s'appelle, là? Le son, je sais pas quoi, là. La piste 7, je sais pas quoi. Piste 4, piste 8. Eh, ça a un nom, moi, je suis pas streameuse. Moi, je suis. Comment ça? Non, non, non! Voilà. Je vais écouter mes musiques en même temps. Écoute de la K-pop, non. C'est quoi déjà? C'est super shy, super shy. Moi je dis super chi. C'est quoi ta musique préférée?
Mais ta gueule, Charline, je m'entends en double. Oh putain, ça me casse les couilles. Attendez, je veux m'écouter parce que là, c'est bon, je m'entends. Voilà. Je me déco... Vous m'entendez toujours? Oui, vous m'entendez toujours. Madame, le rap chinois... Oh putain. En gros, je crois que c'est Adem en plus, ce taré, ou je sais plus. Genre, il y a quelqu'un qui me dit, écoute du rap chinois en x2. Et mon YouTube était en x2 à cette époque parce que je regardais souvent les vidéos en x2. J'étais fatiguée. J'ai éclaté de rire. Écoutez du rap chinois en x2. Oh, c'est une dinguerie. Tous les signes de dépression sont annulés. Oh là là. Oh là là. C'est bon, j'ai mon shop de dopamine. J'écoute Gangnam Style Paradise. Est-ce que vous pensez que je peux écouter la musique ou je me fais bannir? Genre, si je mets la musique en fond, c'est pour la rediff de YouTube. Genre, je suis bloquée. Ou je serais juste démonétisée. Parce que si je suis démonétisée, je me dis, vas-y, c'est qu'une rediff, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de le partager avec vous. Merci. Oh putain, c'est les belles fleurs, merci. Monday, Tuesday. Allô. Et du coup, ma musique préférée pour répondre, il y a ma playlist sur YouTube. Il y a du Gangsta Paradise, 21 Pilots, Maroon 5, Kavinsky World Game, oh my gosh, Jay-Z and Halsey. C'est quoi déjà? C'est I'm High, que j'adore. Il y a des streamers qui se font strike par Twitch en mettant... Oui, bon, on va mettre des musiques Animal Crossing, pardon. Ok, Nelzy Oblige Me, qui est une de mes musiques préférées, musique ukrainienne pour l'occasion. Désolée pour le lapsus, mais voilà, elle n'est pas russe, elle est ukrainienne cette musique, c'est un groupe que j'adore. Et le leader Zviatoslav Vakarchuk, que j'adore. Sinon, on a Alexandre Rybak, Fairy Tale, I lose my mind, I don't care. Bref, ça j'adore. Y a quoi d'autre? Entai Xander, que j'aime bien. Night Shift, Drive Forever. Oh, alors ça, c'est musique. C'est vraiment des musiques de dépresse, mais incroyable. Merci beaucoup. J'allais les mettre. Si madame, tu peux te dégager et revenir avec d'autres fleurs. Je rigole. Merci Chachou, tu gères trop. Et vous, c'est quoi vos musiques que vous aimez bien? Les fleurs, incroyables. Mais les fleurs, elles sont trop belles. Genre, vraiment, c'est bien des blanches et des bleus. Je suis pas raciste des fleurs, je vous assure. Mais elles sont trop belles, là. Franchement, c'est beau. Merci, Inas. Je crois qu'on dit bienvenue. Bon, ça, c'est fait. Lit Serena, armoire en bois. Pile de cadeaux, tiens. Ah, punaise, faut que je mette la jardinière haute. Ah ouais, je veux bien, chouchou. Bah oui, je peux pas vu que t'es là, madame. Coucou à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que, madame, il faut que tu partes. Clique sur le bouton moins pour partir, parce que vraiment, elle se perd sur mon lit à chaque fois, cette dame. Elle se trompe à chaque fois, c'est drôle. Tu postes tes shorts en même temps. Sur les deux comptes? Ils sont postés 16h, 16h15, 16h30, 16h45, 17h. Et les premiers shorts que je poste à 16h sur Shine the Cherry sont les derniers à être postés sur Shine the Cherry Stack Shorts. Big Brain. Bien sûr, vous voulez dire le titre des chansons, c'est fait pour. Des fleurs, je vais éclater derrière. Non, mais je sais pas, je vous assure, je suis pas méchante. Là, je suis en train d'écouter du Gangsta Paradise, vous êtes pas prêts. Ça me fait un choc de dopamine. Je suis là en mode... Avec Bottas Feeling, je connais pas. Par contre, si vous sortez des trucs de K-pop, les gars, vous attendez pas à ce que je connaisse. Hein. Moi, je serais en mode... C'est quoi, ça? C'est une marque de lessive? Je connais pas, moi. Hormis Ed Sheeran, Shape of You, pendant 4 ans, c'était ma musique d'intro. Qui se souvient de cette musique d'introduction? J'écoute pas de musique. Moi non plus, j'écoute... Enfin, j'ai juste ma playlist qui... a 4 ans et qui ne change pas.
qui ne s'ajoute rien. Il vient de se poster maintenant? Putain, j'ai du fail. Parce que des fois, je me confonds entre... Attends, 9h, pour moi, c'est 19h des fois. Je sais pas pourquoi, je suis un peu conne. Ah là, je vais mettre... Je vais mettre du night... Non, je vais mettre quoi? Et si on se mettrait pas un peu de Okean LZ? Okean LZ. Coucou Charline, comment ça va? Punaise, t'as un trop beau prénom à chaque fois que je te vois, je me dis... Waouh! Je sais pas pourquoi, mais t'as un beau prénom. Qui ça? Mais Chachou, tu fais quoi là? Elle fait quoi la dame? Elle s'est paumée sur mon île. T'es en train de piller mon île, tu me le dis pas? Grosse traître. Qu'est-ce qu'elle fout? T'es partie de mon île ou pas? Attends, j'ai pas suivi. Madame, on vous parle, où êtes-vous? C'est pas de la K-pop, et j'ai jamais dit que c'était de la K-pop, et j'ai Chiran. Je suis partie, oh putain, désolé. Non, elle est partie. Ah pardon, excusez-moi, tu m'as trop perturbée. Reviens pas sur mon île, là. Je veux pas de toi. Elle va dire, quoi? Par contre, j'ai perdu mon débat. Ce qui me fait un peu chier. Ouais, non. Mais je me perds, ça. T'es pas sympa. Putain, j'ai cru que t'es en pyjama que t'avais écrit. Je me suis dit, comment ça? Oh oui, oui, je suis en pyjama. Pourquoi faut mentir? Bien sûr que je suis en pyjama, pourquoi vous me posez la question? Mais du coup, non, je suis sympa, je vous assure. Vu hier, vu que c'était mon anniversaire... Bah j'ai dit ça en retard, attends. Attends. Ouais. Pardon, excusez-moi, c'est mes petites alertes, enfin... Ouais, je suis en robe Gucci, je vous ai pas dit. Ouais, maintenant on a grave la thune et tout pour ça. Sinon, hier, j'ai fait un rendez-vous chez Expert Comptable. Bon, vous en battez un peu les couilles, mais j'ai tout compris pour l'URSSAF. En gros, l'URSSAF, c'est pas mes copains, déjà. C'est ceux qui me prennent la thunasse. Et du coup, moi, je suis pas très contente parce qu'ils prennent ma thune. Genre... Non. Et on fait que de payer des impôts en France. Je vous aime bien, mais... Pff, un petit peu lourd, hein. Mais j'ai plus de débarras. Ordre alphabétique. Ouais, c'est sur iOS 15, 17, pardon. Quel con. Et on peut faire plein de trucs, genre... attends, c'est quoi déjà le mieux? Ouais... Putain, là, franchement, on est VG. Là, je trouve on est trop VG. Donc n'hésitez pas à liker le live. On peut pas liker. Et vous avez pas la musique, moi je suis en mode... Waouh. C'est un shot. C'est dopamine. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux mettre là? Basket, un mec a fait un AVC, tu veux dire? Ou... C'est parce que je sais pas ce que c'est un AVF. AVC? AVC? Comment ça? Bah, c'est dangereux le basket. Ah, j'ai chaud pour venir sur ton... Mais Lily, pourquoi tu me poses en mode c'est pas méchant la question? Mais comment ça, y'a rien de méchant? Les gars, vous excusez pas de vivre, hein. Juste, j'ai un ami. Du coup, elle a pu se ramener cette vieille folle. Et c'est juste pour les fleurs, hein. Moi, c'est un but... stratégique. Non, j'ai... Comment dire? Elle me rend un service, quoi. C'est pas en mode... YOLO! Non, c'est vraiment juste... Elle vient pour m'aider. En plus, je suis un rat... Pardon, pardon. Merci. Bon leur pardon. Et bienvenue, comment on fait pour avoir autant d'objets? Et bah on va sur les Treasure Land. Non, je rigole. Si, un peu. Et surtout, je me suis donné des meubles de Cérésie que j'ai accumulés depuis... NTA, année. Oh bah tiens, venez, on fait le début de l'île. Merci Malika, merci Utao. Oh, là, j'ai du Ed Sheeran dans les oreilles. Oh là là. Du Ed Sheeran, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du Ed Sheeran. Where I go? Et là, vous n'entendez pas parce que vous dites, mais elle est chelou, la meuf. Alors que moi, j'ai entendu Ed Sheeran. Et pas vous. L'entrée de Lio.
Lulu, on se relit avant d'écrire un message, s'il te plaît. Bienvenue! Comment ça va, les gars? Piliartique. Arctique. Tu connais Bohemian Rhapsody? Oui, bien sûr. C'est un peu dans le même délire. Ce que j'aime. Ouais, je pense que je vais faire comme ça au début, c'est joli. Comme ça, t'as une petite entrée et tout. Et ici, de chaque côté, il faudrait que je mette des... un meuble de 2-1. Goula, comment ça va? Merci pour les croustillants. Moi aussi, j'aime trop mon île. Vraiment, je suis trop contente de l'île. Je me dis, waouh, c'est beau! Merci pour le follow. Endive! Tu sais que j'adore... Enfin, tu t'en fous, mais je déteste les endives au jambon. Franchement, endive, c'est top... Top 100 des aliments que je déteste. Donc, il y a une grande liste. Mais les endives, oh, c'est particulièrement dégueulasse. Pas toi, hein. Pas toi directement. Mais c'est pas bon, les endives, c'est amer. Genre, endive au jambon... Ah là, on déglutit même pas, hein. Coucou Inès, comment ça va? Mets-toi un comptoir. Pas de soucis, t'inquiète, Lily. Bisous, bisous. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, je fais un truc. Et si je mettrais un pilier ici, est-ce que c'est beau ou c'est moche? Je sais pas si ça fait trop. Mon tonton, hein. Je sais pas. Non mais vraiment les endives c'est un truc que je ne peux pas. Je trouve ça exceptionnellement dégueu. Genre c'est amer. Et là t'as l'endive qui vient de te follow qui se dit mais moi j'arrive et tout et toi t'es en train de critiquer mon pseudo. Adam tu peux me donner ton code? Vas-y en plus c'est ton Yves. J'ai pas ton code ami bah let's go donne. Comme ça je t'ajoute. Qui m'a dit de recommencer mon île. Ah bah nickel, c'est cool, je fais la propagande sur Animal Crossing pour que vous puissiez recommencer votre île. Punaise, Nintendo, ils devraient me sponsor et tout, you know. Mais là, je fais un bac à sable ou quoi? Tu vas mettre des trucs sur les piliers? Ouais, peut-être des... des lampes Nova. Non mais quoi? Pourquoi je commence à parler à l'inverse? Je sais pas si c'est moche ou si c'est beau. Genre, ça fait un truc un peu en mode palais de glace et tout. Mais du coup, ça c'est nul. Didn't have besoin de ça, quoi. Bienvenue. Bonjour Clarilla, comment ça va, madame? Laisse-moi deviner, tu étais sur Disney Dreamlight tout à l'heure. Comment ça va? Merci du follow. C'est quoi ton signe astro? Je suis taureau. Je suis un taurus. Ne pas comprendre avec le taux. Des banques et je ne suis pas russe. Ah non t'inquiète je veux pas de muguet, tranquille, pas besoin. Mais je sais pas, c'est pas beau, il y a un truc qui va pas. C'est un mélange de c'est beau et c'est moche. Donc c'est pas ouf. Merci Silica Gaming pour ton follow, bienvenue. Comment vous allez les gens? Je sais pas, il y a un problème, vive la glace. De fou, moi cancer. Ça fait penser à la musique de Stromae, comment ça? C'est qui? C'est mon prof d'SVT en 4ème que j'avais fait écouter, ça m'a... Attends, ouais, c'est ça? Ouais, ça m'avait grave traumatisé, cette musique de Stromae. Venez, on met des musiques... I'm a fairy tale de... I'm a fairy tale, I lose my mind. Rebond chou, quoi. Mais pas les tapes sur le côté, ouais, je vais voir. Mais je pense que c'est une bonne idée de mettre ça, déjà. Ah ouais, c'est bien, mais il faut autre chose. Peut-être je peux mettre les barrières. Pas de soucis. Bonne soirée Clarilia, bisous bisous. Trop belle ta petite émote. Ouais les sapins, mais les sapins ça prend trop de place. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous faire écouter ce que j'écoute. Mon fruit de base c'est la cerise ou l'orange, je sais plus. Quand même ça. Tu feras de l'horreur. Oh là, je déteste l'horreur. Genre moi, tout ce qui fait peur et tout, je suis en arrêt cardiaque en stream, je suis en mode... Non. Oh non, loin de force. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais. C'est pas moche. Oui, ça va.
Mon fruit de base, je crois. Attends, j'ai regardé parce que moi-même, je sais pas là. La want. C'est impossible que ce soit la pomme. C'est la cerise. Quoi, j'aime trop l'horreur. Eh ben, moi, je déteste. Genre, tout ce qui est jeu d'horreur et tout, je peux pas. Oh, ça m'est mal. Ok, Adam, je t'ajoute. T'inquiète, Adam. Ah, sinon, il a plus de sous après, le pauvre. No, attends, c'est quoi? 97, 66, 60. Putain, ils sont... Oula, 6666, on va se calmer. Fairy tale. Dame, 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 déo. Oh, oh. Ça recommence. C'est... Il n'y a pas fine... quelqu'un veut me dire c'est FNAF, c'est... enfin... Et le jeu c'est Five Nights at Freddy. C'est quoi le nom précis parce que je connais pas. Je sais que c'est un peu dans le même délire ce, le nom. Five Nights at Freddy. Je connais pas, hein, je sais pas comment on écrit. Mais il y a ce jeu que je connais le nom. Merci pour le follow, Gomar. Five Nights at Freddy's. Ok. Et c'est... Ah mais du coup c'est un jeu qui se déroule en 5 nuits. Ouais, vous savez, en plus, je suis traductrice professionnelle. Enfin, bref, you know, I'm bilingual. I'm fluent. C'est faux. Je speak H de France, mais c'est déjà bien. Pillar chick. Ah, ça rend bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ouais, c'est beau l'hiver sur Animal Crossing, alors je déteste faire ça. Mais là, j'aime bien mon île, donc je pense que ça change la donne. Et ça va me faire chier, ce truc. Oui, ça va me casser les steaks. Je speakage la France. Mais oui, because... speakant de France, please. Yes, yes, speak France. Non, je vous assure, j'ai un meilleur accent, j'en ai un, du coup. Mais je parle mieux italien. Faudrait que j'apprenne l'espagnol. Non, bref, les langues les plus utiles à apprendre, espagnol, anglais, français aussi si on veut. Mako. C'est bon, Mako est revenu. L'arabe, c'est super important. Le mandarin. Qui me casse les... Putain! Est-ce que c'est qui je pense ou c'est une autre personne? Est-ce que c'est la dame? Je suis en train de faire mon île, là. Pourquoi vous inquiétez? Oh là là, mais... Oh là là. Des frissons. Oh là là. J'écoute ma musique bien deep. C'est qui, Johanna? Johanna, tu fais chier. Johanna, tu n'as pas à venir. Tu repars. C'est pas moi. Chachou, on n'écrit pas comme ça, ça, s'il te plaît. Il y a le verbe savoir et le verbe... Voilà. Hola, mi hablas aprendes rápido es super sencillo. Sencillo. Speak France, because speak English. Mais Joy-Con! Comment ça arrivait? Oh non, c'est pas encore les Russes qui viennent. Non, je déconne, je rigole. Imaginez! Ceux qui ont la rêve savent de très bien de quoi je parle, même un peu trop. C'est le retour. Ouais, moi tout speak France. Speaky jeu de Frintz, please. Paris baguette, croissant. Vraiment, les Américains sont en mode croissant, en mode waouh. Un croissant. Traduction, bonjour, je parle espagnol, tu vas apprendre rapidement, c'est super simple. Vas-y, je le traduis en italien. Sans Google Trad. Buongiorno, parlo italiano, vai a prendere rapidamente, c'è supra, sempre. D'après ma traduction approximative en direct. C'est des Italiens, hein, corrigez-moi. Y'a pas Krona là, il est... Vraiment, j'ai des abonnés italiens sur live, c'est super drôle. Du coup, des fois, je tape la conversation, des fois, vous êtes là sur live, pourquoi elle parle en italien, le folle. Eh, moi, je suis en live multilingue. Croissant,
Fromage, raclette, bœuf bourguignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, s'il y avait une attaque au ballon, bah oui! Non, c'est encore les Russes. Le vin. Comment on dit vin en espagnol? Vino? Bonjour, hein, bienvenue. C'est. Pardon, désolé si j'imite les profs d'anglais, mais. Non, les profs de maths. Excusez-moi, prof de maths. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Putain, ça. Ah, oh, ça me fait des frissons, rien que d'y penser. Bonjour, hein. Comment ça va, hein. Je parle espagnol et simplicissimo imparare. Non, mais velocemente. Je crois que c'est ça en italien. Bah après, tu le dis comme tu veux. Parlo espagnol. Bah du coup, moi, c'est italiano. Simpare, ça se dit aussi. Imperai, ça c'est du futur, ouais. Velocemente, ouais, t'as raison. Ça dépend, moi je l'ai mis au présent. Mais oui, si tu mets au futur, c'est Imperai. Bienvenue sur le stream. Non, par contre, on parle français. Bonjour, hein, bienvenue chez Sephora. Comme ça, genre. Elle voulait son. Vous n'êtes pas doué quand même. C'est pas grave, ça arrive. Mais quand tu sais que t'es sur une mauvaise île, tu fais bugger avant, je sais pas. Hé, calme-toi. Désolé, j'entends ma musique en même temps. J'ai envie de mettre un banc ici. Oh là là, mais écoutez mes musiques dépression russe. Oh là là. Là, j'ai eu du. Polo Zeini, X Drive Forever, Russian Remix. Oh là là, mais c'est une dinguerie. C'est un petit mille pour les oreilles. Bonjour, hein, Lisa, comment ça va? Merci, c'est gentil, Emma, avec un M. Qu'est-ce que. Attendez, moi je vais mettre un banc. Oups. Bon, oh, ça date le. Bonsoir Paris. Yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani. Mako! Une co, vraiment? Une co, vraiment. On va attendre. Pourquoi je suis à 81 kilobits par seconde? Ma connexion, elle veut même pas, elle, grosse folle. Tu vas te remettre, Mako? Du miel pour les oreilles. Ah bah là, c'est du miel pour les oreilles jusqu'à que Mako veuille. Allez! Nous sommes dans une phase d'intempéries. Désolé pour la connexion qui bug, hein. Je suis à 24 kilobits par seconde, ça va, Mako? Bah, Mako, là. Non, mais. Bon, Romain, comment ça va? J'ai déjà fait des visites d'île. Et demain, je fais une vidéo un peu en mode visite d'île sur justement Nevalska. Un chocolat chaud. Vous prendre un pumpkin spice latte. Il y a quoi comme boisson à Starbucks en hiver? Je sais même pas. Vous voyez le live ou pas? Dites-moi si vous entendez bien le live, parce que putain, ça doit faire un gros différé. Pourquoi ça bug? Nous attendons que ça revienne. Putain, ça m'a banni plein de fois le message de Emma. Super! J'attends que ma connexion revienne, les gars. Nous attendrons quelques petites secondes avant qu'elle revienne, cette sale folle. Ah, bah c'est bon, ça se relance. J'ai eu un 9000. C'est bon, ça se relance. Oh! Eh ben c'est bon! Souris force intempéries, les gars. Mais ma connexion se fait attaquer. Mais c'est vous, ça! On peut pas être tranquille une soirée sans que ça fasse ça. Ah là là. Mon re, désolé, hein, j'ai juste attendu 2 minutes. C'est bon, je réécoute ma musique là. Ça m'a interrompu, j'écoutais ma petite musique et tout. Quelle fibre de merde! Partip. Ah ouais, Lisa, t'as dû refaire un compte, pourquoi? J'ai pas de banc. Bah, je vais faire une luge, hein. Vous n'avez pas de banc? Bah, vous allez faire une luge. 21, 21, touchez-vous le nez, les gars. Il reste combien de temps? 30 secondes.
Non, c'est pas prévu que je fasse de la visite. J'en ai fait un mercredi. Donc je compte pas en faire tout de suite. Mais j'en ai déjà fait. Hop là. Oh, je vais mettre Deepins. C'est un TikToker, j'aime trop. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Deepins? Deep Pins. Genre Deepins, c'est trop bien. Adem, prochaine fois c'est bon, s'il te plaît, par pitié. Hop là. Parfait. Non, fallait pas que je sache quel coup. Jamais. Et quoi ça à la télé? Comment t'as tous ces meubles? Je m'en suis donné pas mal aussi de Sérésie. Genre tous mes meubles que j'avais accumulés en 2-3 ans, en 2 ans de Sérésie sur l'hiver, j'ai tout donné. Bonne nuit, la moufette. Ah là, c'est ça. Je sais pas si on peut la personnaliser. Oh merde, Isa. J'espère que t'avais pas de sub en cours chez les gens parce que ça fait un peu chier. Oh, ça me gratte l'oreille. L'oreille. Oui, ça me gratte l'oreille, mais t'es con. Hop là. Bisous, bisous, biscotte. C'est qui chante ça? Are you here? Me. Je sais plus qui chante ça. Bon, du coup, j'ai mis une luge. Je pense que ça va être cool. Une petite luge, tiens. Ah, les comptoirs, ils pourraient être bien aussi, quelqu'un. Le comptoir rend vraiment bien. Ouais, ça rend bien. Le SMIC à 4000. Grave, vous avez le SMIC à 4000. Pourquoi vous parlez? Vraiment, moi, à chaque fois, il y a des gens qui me sortent chuchus. Les pauvres, ils sont agressés. Oh putain. C'est pas mon boulet, pas. Ici, dites-moi si c'est mieux comptoir ou luge. Qu'est-ce qui est plus joli, un comptoir ou luge? Vous préférez quoi, le comptoir ou la luge? Je suis perdue. Coucou Chloé, comment ça va? Et derrière, je mets le comptoir. Ouais, le jour d'Halloween, je live. Enfin, c'est férié. Et vous avez pas cours, quoi, de toute façon. Ouais, je joue Animal Crossing. Et avec le comptoir derrière, ça rend bien. Ouais. Non, par contre, lui. That's not the moment. Ouais, je pense que je vais me laisser avec la luge. La luge de la lune. De la lune? Faudrait que je mette aussi les lunes de chaque côté, putain. Je crois que maintenant. Genre, je mets les deux petites lunes bleues. Ouais, je peux faire ça. Bon, lui, il va me casser. Comment on fait pour qu'il. Ah, bah, c'est bon, tu lui dégages. Mais c'est pas possible. Je pense qu'on va mettre les lunes. Oh là, 1 heure. Je sais pas. Après, moi j'avais pas 35 heures de cours. Je crois que j'avais 29 heures. À un moment j'avais 17. Enfin bref. Lune bleue. J'ai plus de lune. Chachou, tu peux m'envoyer de lune? J'ai plus de lune. I'm sorry, mais j'ai plus de lune. Ah, mais sinon j'ai 7 de flocons. Je tente un peu les décos. Ah, mais du coup ça va pas être dans le bon sens. Et lui il s'arrête pas, hein. Bisous, bisous, Adam, t'inquiète, bonne soirée. Et je voulais mettre un banc initialement, mais le banc était annulé. Qu'est-ce que je peux mettre? Un 7 de flocons, tiens. Bon là c'est pas allumé, de toute façon l'île sera en mode Noël,
La nuit. Oh, c'est trop mimi. Mais ça rend tellement bien. Rappelez-vous avec un filet. Ouais, ce que je me disais, mais j'avais pas de filet. Ah, c'est joli comme ça. Et ici, il faudrait que je mette comme une sorte de pergola. Faudrait que je me donne des meubles, hein. Vraiment, c'est un peu la hesse maintenant. Ça va et toi, Yenoda? Ma connexion qui repart en vacances, ça va? Attends, j'ai vraiment une connexion aussi instable que votre santé mentale, c'est fou ça. C'est quand même dingue. De quoi j'en ai? Coucou Princesse Serenity, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui, madame? Tête de lune. Attends, faut que je regarde vite fait. Là non, no. Yeah. Thanks. Chili. T'inquiète. Attention, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'on a envie de faire le week-end à part rien? Bah rien. Oh, j'ai les guirlandes décoratives. J'ai des grosses boules de Noël que j'ai jamais utilisées. Canap stream, soin, bol, cristal. Oh! Par contre, là, en ce moment, il fait tellement froid. Genre, hier. Enfin, aujourd'hui, il fait froid. Alors qu'avant-hier, genre, c'était. Non, hier même. C'était en mode. Vas-y, c'est l'été. Je trouve. Les saisons, elles sont un peu parties en steak. Jardinière. Hello! Comment ça va, JP? Comment vont-je? Mets-toi un belvédère. Ah mais j'ai que deux trucs, si j'ai trois. Oh là c'est compliqué hein. Belvédère, belvébère. Ouais, bah ouais ça passe. Ça se fait. Bah oui. Ouais je décore mon île, je fais un peu... Il faut que je mette des fleurs mais là je mets un peu deux trois meubles et tout. Et j'ai fait l'entrée ici, c'est joli. Bon c'est pas éclairé hein. Mais le soir ça va rendre trop bien. Peut-être je vais mettre des cadeaux. Ici, je mettrai, je pense, des fleurs. Bon, lui, il casse les coups. Tu peux arrêter? Coucou, Deva Vampira. Comment ça va? J'ai une nouvelle tournée de fleurs. J'avoue, j'ai fermé. J'ai fermé les portillons. Route d'incruste. On va mettre un comptoir. On peut poser des choses sur les comptoirs. Ah, filet. Bon, l'orchestel. Bon, il va arrêter, lui. Oh, ça me fait mal au cœur. Mais l'été, en fait, c'est devenu, je sais pas, genre, il y a des problèmes de saison maintenant, c'est un peu chiant. Ouais, ça qui c'est trop beau. C'est vraiment, les items, ils font... Comme s'il y avait une petite lumière. Je crois qu'il est programmé pour faire chier ce soir. Le bon en extase. Coucou Kenzui, comment ça va? Oh, mais c'est une blague. J'ai plus de co. Mais ma connexion elle me fait chier là. Hop. Hop. Il faut que ça soit symétrique. J'ai appris que je suis diabétique. C'était toi qui devais faire des prises de sang, non, Deva? Dis-moi, c'était toi qui devais en faire, je sais plus. Putain, ma quoi, elle me saoule. Je peux pas écouter de la musique en paix. Eh, ma quoi, coucou Daily, comment ça va? J'espère que tu vas bien. La connexion, ma connexion, La blague, attendez. La blague. La blague. Nous attendons comme ça? Moi, je vais attendre. Hein. Putain, ma quoi aujourd'hui, j'ai pas ce problème. Sacrée connexion, quand même. C'est bon, ça se relance. Ouf. Il y a des pixels partout. Attendez, les gars, ça se relance. Ça se relance, ça revient dans le vert. Ça arrive. Ça arrive, ça revient. Je vois du vert. Ça remonte. Re, c'est bon. Désolée, j'y peux rien. Bref, coucou Kenzu, comment ça va? Sur la lune, j'aime trop. Oh!
j'ai vu. Bah écoute, Deva, je t'ai dit la dernière fois, mais au moins tu es au courant, c'est mieux que tu sois au courant que tu ne sois pas au courant et qu'il t'arrive vraiment une merde. Là, au moins, t'auras le traitement qui sera adéquat ou je sais pas quoi. Tu vois, au moins, t'es pris en charge. Là, sinon, il aurait pu t'arriver plein de merde, t'aurais pas été au courant que t'aurais été diabétique. Donc en vrai, je sais que ça fait chier, c'est chiant, mais c'est tellement un mal pour un bien. Comme ça, genre, t'as entre guillemets une excuse à certains problèmes que t'aurais pu avoir, que t'as eu ou que t'as. Mais oui, c'est chiant. Ta connexion revient. Oui, ma connexion est revenue. Tout va bien. Désolée si ça dure genre 2 minutes ou 1 minute pendant les 20 minutes, toutes les 2 demi-heures, mais si pour rien. Bah, tu sais, Madara, avant je l'avais en 4G, donc c'était encore pire. Mais là, c'est bon. Le mercredi, j'ai aucun problème de connexion. C'est juste quand il fait mauvais, ce genre de choses. Grand sapin. Moi, j'ai des petits sapins. J'ai pas pris les petits sapins? Bon, attends. Même pas. Pourquoi ton décor, c'est vert et jaune? C'est-à-dire, vert et jaune. Je peux mettre un renne. Mets-toi un renne. Ah, mais quel con, il y a juste un renne derrière. Chiant. Mais moi, je voulais mettre un renne ici. Michael Jackson. Oh là. Ouh là là, on va rentrer en transe après. Dans l'autre sens, je pense que c'est mieux. Dites-moi à chaque fois si vous aimez, si vous aimez pas. J'ai besoin de vos avis, les gars. C'est un travail d'équipe qu'on fait. Vous jugez, et moi, je fais. Ouais, c'est bien comme ça. Le soir, ça va rendre bien. Et ici, il me faudrait une petite fleur. Hello Lino, comment ça va? J'espère que tu vas bien. T'aurais fait quoi comme études? Des études sûrement dans tout ce qui est graphisme, dans ce délire-là, montage, photo, enfin tu vois. J'ai pas le nom, hein, mais vous avez compris l'idée. Ah non, je connais pas. Et ici, il faudrait que je mette un truc. Bon, on va mettre une fleur. Mettons des fleurs. Comment ça, je peux pas mettre deux fleurs? Ah, parce que c'est en demi. J'avais pas vu. Et voilà, ça rend bien. Je suis contente. Le renne, il a couru. Putain, c'est horrible. Ouais, le renne, il est grave alcoolique. Non, c'est pas ce que tu crois, t'inquiète. T'inquiète. À 2 doigts de mettre un banc, mais après, mon perso, il passe pas, quoi. Attends, je teste. Ah, si, je peux mettre un banc. J'aime bien quand c'est trop. Coucou Comini, comment ça va? Merci pour ton follow. J'avais fait dîner même SG. Tu veux pas être top 20? C'est quelqu'un d'autre qui me disait ça. Trop bien. T'as géré. Oh, j'ai ça qui peut être bien. Ah bah bien sûr. C'est quelle heure? Ça s'allume à 19h? Ça s'allume à quelle heure? 20h, je sais plus. Non, c'est excessivement moche. Coucou de mes codes d'aventure, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Welcome. Le canapé marocain, il fait étrangement Noël. C'est ça qui est con quand même. Les gars, un canapé marocain fait Noël. C'est un concept. Faudrait jouer, j'y mets. Mon année scolaire favorite, 3e. Mais elle m'a duré vraiment la moitié du temps, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid, enfin bref, un petit truc pas très grave, vous voyez. Non, non, pas très important. Trop bien, Annie, merci. Et Théma comme CBG. Comme ça peut être pas mal. Je fais un peu de trois petits meubles de chaque côté. Ici, je sais pas. Bon, je vais mettre une canne à pêche, hein. Enfin, je vais mettre une canne à pêche. Un truc qui fasse en mode petit ponton et tout. Mettons le débarras. Allez. Les croissants lune. Ouais, faut que je les mette. Faut que je les mette. Mais où? Parce qu'il me faut deux trucs de chaque côté qui soient vraiment symétriques parfaitement. Donc, un peu complicados. Alors, il me faudrait les trucs qui fassent.
séchoir, c'est ça. Coucou Michi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Ah bah super, j'ai des trucs d'ossements, j'ai vu. Magnifique. J'ai vraiment plus de meubles, hein. J'ai combien de meubles? 7... Putain, j'en ai quand même 700. Ouais, mais voilà. Voilà, quoi. Voilà. Ouais, c'est trop beau. Ah bah tiens, c'est ça. Une glacière, il me faut. Glacière de poisson. Après, ça, c'est des gros, gros, gros. Les petits sapins décorés, parfait. Il m'en faut deux des petits sapins décorés pour que j'ai case en haut. Les lavabos, j'ai envie de mettre des lavabos. You know? Coucou Maëlle, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Tu le finis toujours à 22h. De quoi que tu finis toujours à 22h? Alors, petit cadeau. Broderie de maman. Ouais, merci la daronne. Sapin décoré. C'est pas pour ici. C'est pas pour ici. Une caisse poisson. Parfait. On va mettre des trucs en mode poisson. Tu live demain. Demain, je live et après, je vais faire un nouveau planning. J'ai fait un nouveau template, genre un nouveau planning, esthétisme du enfin du graphisme, oh. Esthétisme du planning, sorry. Et c'est juste par rapport au fait que je voulais live un peu moins. J'ai plus live tous les jours, je live peut-être 4 fois par semaine au lieu de 7, histoire d'avoir un peu plus de temps pour moi, me reposer. Et voilà quoi, enfin, j'ai pas d'excuses valables. Non mais les cadeaux de la daronne quoi. Ouais, merci maman. Merci maman pour ton cadeau. Ça me touche. Merci pour le co... C'est quoi déjà le collier en coquillette? Vous avez déjà fait ça ou pas? Le collier en coquillette. Alors moi j'ai jamais fait ça. Parfait. Demain 20h30, je live tous les jours à 20h30. Bon du coup là c'est le dernier jour demain. Sinon je pense live le mercredi, vendredi, samedi, dimanche à 20h30. Et plus trop live le lundi et jeudi parce que vous êtes en cours et ça me fait chier. Oh là. Je sais pas d'où ça sort en plus. Non mais vraiment kiffer des colliers en coquillettes. Moi j'offre rien pour la fête des mères à part un bouquet. Enfin, et du coup non, j'en offre pas rien mais. Enfin, je sais pas, je fais pas un truc de ouf non plus. J'adorais. Oh non, trop mimi. En vrai, c'est chou parce que même c'est. C'est pas un truc ouf, tu vois, les derniers sont en mode waouh, trop mimi. C'est mon enfant qui a fait ça. Ah, aussi, je voulais vous parler d'un truc, ça peut vous paraître con, mais j'ai envie de le dire. Genre, c'est mon père, il aime bien de répéter à des gens qu'on connaît pas, genre l'expert comptable et tout, à la fin du jour debout, vous savez, sur moi, en mode elle est passée à la télé 15 jours et tout. Enfin, il y a 15 jours, il y a un mois. Et vraiment, il est trop fier, ça, il répète à tout le monde comme quoi je suis passée à la télé, ça se voit, il est trop fier et ça me fait. Ça, je sais pas, ça me touche. Ça, trop mimi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je ne trouve pas ce que je cherche. Sapin, sapin. Ah, au public. Mais ouais, du coup, il est tout fier. Je trouve ça adorable. Genre, il le dit à tout le monde, ses collègues et tout. C'est trop mémé. J'ai envie de mettre un lavabo, mais on va me foutre un lavabo ici quand même, un peu la honte. Ouais, un trampoline, ma chatte, comme une fusée. Au-dessus du filet? Putain, je m'attendais à tout. Le pire, c'est quand tu fais des trampolines et que tu tapes ton genou dans le pif. Oh, oh la douleur. C'est horrible, ça fait si mal. Bon, je vais mettre les petits sapins. Un sapin décoré, tiens. Ça passe, non? Je pense que c'est mieux d'intervaller ça. Ah mais si ma fille fait ça. Bah après oui, bon, moi je comprends parce que les gars, je sais que c'est pas ouf pour certains, mais les gars, c'est la télé. Et moi qui suis grave, parce que là, tu vois, ils passent à la télé où ils parlent de trucs de télé, ils sont en mode je m'en fous, c'est pas important et tout. Mais pour nous qui consommons pardon, la télé, Shine sur M6 quoi. Un peu Slay. Et mon passage chez lui, il a fait genre 70 000 vues quand j'ai reposté sur YouTube. Donc les gens étaient intéressés par moi à la télé. Genre. Il y a 70 000 personnes qui se sont dit Shine, elle passait à la télé. C'est énorme. Je sais pas.
Broderie, lavabo, canapé. Vous faites quoi, vous, demain? Moi, perso, demain, je me tape un petit bad mood. Je pleure. Après, ça ira bien. Tu sais, les programmes comme ça. Merci pour le follow. Bienvenue. Un os, mais mon ego est brisé. Tu t'es cassé un os ou pas? Parce que si tu t'es cassé, t'as un plâtre? Mets un buisson sinon. Non, il faut tout illuminer. Nous ici, on est. Bah, du coup, on est anti-écologiste. Merde, on est en train de tout illuminer. C'est comme les trucs lori-lumière. Et vous allumez tout, les gars. Coucou, comment ça va? Merci, c'est gentil pour vos messages en mode félicitations. Vraiment, ça, c'est trop trop cool. Mais c'est moche. Mais c'est que c'est moche. Mais la jambe bien râpée. Plus de peur que de mal. Mais ça fait chier. Mais ça va. Lavabo public. Vous êtes là en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut foutre un lavabo public? Oui, je vais mettre un lavabo. Coucou l'anime, comment ça va? Bienvenue. Je le mets où mon lavabo? Vraiment, je suis dans l'obsession, je veux mettre un lavabo public. Mais ici, il faudrait que je mette un banc, ce serait plus intelligent, mais ma logique veut foutre un lavabo. C'est fou, quoi. Ou un canapé. Je dois étudier mon cours d'anatomie. Oh, t'es en quoi? Quelle année ou je ne sais quoi? Cours d'anatomie, yes, aide. Un petit cours sur la reproduction. Allez, c'est parti! Demain, je vais à l'hôpital. Par rapport au fait que tu sois diabétique? Merci. Ça va mieux qu'hier. Hier, j'étais trop mal. Là, ça va un peu mieux aujourd'hui. Ça ira mieux normalement mi-semaine. Milieu de semaine, tout ira bien. Ah, mon ville, putain. Mon île avance grave vite. Mais j'ai plus beaucoup d'items. Je vais donc devoir me redonner des items. Oh, mais je vais mettre une horloge publique et un feu piéton. Et une borne d'incendie. Mais ça va pas prendre feu s'il neige. Remika, t'étais où toi? Je mangeais. Non mais, t'as pas fait ton sport avant 3h. C'est quelle heure? Bon, ah non, c'est pas tard. Putain, le temps il passe pas vite. Des fois je suis en stream et je suis en... Oh, là ça passe lentement. Bizarre, bizarre. Le temps est suspect parfois. Un pont, il manque 50 minutes, j'arrive pas. On va aller trop vite pour remodeler. Si tu veux, j'ai fait plein de tutos sur YouTube. Tu marques Shine Cherries, 3 étoiles, remodel, je sais pas quoi. Le tuto, il sort. Pépite. Lundi. Mais Inès, c'est pas humain de faire ça. Ils sont méchants, les profs. Franchement, après, c'est bientôt les vacances. Donc les profs, là, ils sont déchaînés. Ils sont en mode, allez, c'est bientôt les vacances. On va les faire chier. Vraiment, moi je les vois comme ça, chocolat Lindt. Ouais, ce soir j'ai pris la petite boule rouge. Non, mais parce que les Lindt, c'est un art. Les bleus, c'est les meilleurs. Les rouges, les meilleurs. Les. Attends, les. Au lait, ils sont quelle couleur? Ils sont bleus, ils sont jaunes. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils brûlent la gorge. Mais je trouve pas ce que je cherche, jardinière. Lavabo, borne. Ah, mais il est là, lui. S'en prend plein la gueule niveau éval. Bah, force à vous, hein, les gars, on n'est pas ensemble. Et j'ai pas envie qu'on soit ensemble pour le coup. Alors là, non. Laissez-moi en dehors de tout ça, s'il vous plaît. J'ai assez vécu. J'ai assez mal vécu déjà, ça. Comment ça va, Enora? J'espère que tu vas bien. Lavabo. Je fais chier avec mon lavabo, hein. Là, je vais vous faire chier avec mon lavabo. Mais je le veux. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Les rouges, c'est les meilleurs. Non, les chocolats noirs, c'est les meilleurs. Et je suis pas raciste des chocolats. Non, je rigole, je rigole. J'arrête. Oh, j'ai trouvé la place du lavabo. Oh, je suis émue. Les gars, mon lavabo, il y a une place. Regardez comme c'est bien. Ouais, un lavabo. Par contre, ici, je veux mettre un banc, mais j'ai pas de banc. Donc ça, c'est chiant. Il me faudrait un banc. Je peux pas crafter un truc de banc.
À part déluge. JPP déluge. Bon, on ira. On ira se livrer déluge. Oh, so cute. Regardez où elle est, Irène. Elle est toute seule. Et cette con, elle va encore se lever. Puis quand je, avant que je fasse la photo, j'ai la butée. Mais putain, so kawaii. Ça va que j'ai eu un réflexe, hein. Vous avez vu? J'ai dit quoi? C'est quand même dingue. Mais Pollux, il était déjà là tout à l'heure. Il faudrait que je mette des cannes à pêche. Je vais acheter 3 cannes à pêche. C'est bien. Pas vu, pas lu. T'inquiète. C'est les chocolats blancs, les miens. Mais les comment ça? C'est trop gras, ça brûle la gorge, c'est dégueulasse. Ah non. Chocolat noir qui brûle aussi la gorge parce que c'est trop fort, ça c'est bon. Tu vois le chocolat qui a soif, ça on aime. Ah, mon skin est en tong. J'ai pété mon crâne. Bon du coup on disait... J'ai pas compris, j'aime plus prendre plus d'une barre. J'ai pas compris, Mika. Can you repeat in French? Kawaii moment, kawaii, kawaii. Oh putain, kawaii. Ça va pas. Ah, j'aime pas. Mais moi, c'est un carré. Ou les boules lint. La fatigue, t'inquiète. La fatigue, le bad mood. La pochette Marie sur animal. La... Comment ça, chachou? Si, j'ai vu sur. ACNH News, là, sur... sur X. Attends, je vais voir. J'ai vu, ils ont fait des trucs collector et tout. Je vais voir, je vais voir. Je te dis si j'ai vu. ACNH News. Les refs, les vrais. Pardon, excuse-moi. On n'avait pas tweeté. Oh, les Lego. Non, il n'y a rien. Dang. Comment il s'appelle, c'est... AC Village. Eux, je les aime bien, ils sont sympas. AC Village. Je te dis si j'ai vu. Eh ben non, j'ai rien vu. Mais j'ai vu un truc collector, la pochette, je sais pas quoi. Je suis so hungry, là. Je comprends pas. À m'y faire au X. Au X. Oh putain, j'arrive pas à me faire au X, là, franchement. Bah, venez sur mon X, s'il vous plaît. Ouais, n'hésitez pas. Ouais, non, mais n'hésitez pas. Hein. Y'a quoi la télé ce soir? Pourquoi tu me tentes comme ça à regarder la télé alors qu'on est samedi, y'a rien, y'a le rugby. J'en ai rien à foutre, moi, du rugby. Rug... Avant, je disais rugby avec un D, alors en fait, c'est rug. Programme TV. Attendez, je vous fais le programme télé de ce soir, les gars. Restez ici. Sinon, j'ai la concurrence. Ce soir à la télé, Irlande, Nouvelle-Zélande. Il a déjà tes yeux, le mystère de l'école de gendarmerie, Lyon Saint-Etienne, échappée belle, 9-11-11, 9-1-1, je connais pas. Le grand bêtisier de l'été, mais sous de ma gueule. Ça, ça se voit, il recycle des trucs. Merci Anna Cristal pour ton follow, bienvenue. La petite histoire de France. Attendez, il y a combien en rugby? Irlande, Irlande, New Zealand. C'est la mi-temps, il y a 17 pour l'Irlande et 18 pour la Nouvelle-Zélande. Mais c'est que c'est sérieux. Vous êtes pour qui? Pour l'Irlande ou pour la Nouvelle-Zélande? Moi, je suis pour... Ouais, la Nouvelle-Zélande, ils sont trop... Non, vas-y, on est pour l'Irlande. J'aime bien l'Irlande. Voilà, c'est tout. J'avais pas tant d'arguments. Mais Deva, tu te rends pas compte? C'est comme le meilleur pâtissier, ça passe grave avant le live. Oh, ma grand-mère passe avant le live. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent avant le live. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester concentré, mais quand tu veux voir le programme télé, c'est super important. Irlande, ouais, nous ici, on est des Irlandais. Tel qu'est Spicage de France. Et regardez, si ça, c'est pas beau. Nous ici, on est les écologistes extrémistes de Nevalska. Donc en gros, là, ils pêchent du saumon. Le saumon... Putain, islandais. Non, pas islandais. C'est quoi norvégien, voilà. On pêche du saumon norvégien ici, je vous ai pas dit. Oui, c'est vrai, je suis en live sur Twitch et je fais de la pub pour la télé. De la concurrence, moi. Après, je m'étonne que j'en parle de mon live. Charline, quel mauvais point stratégique que t'as fait. Norvégien.
Argent, argent, mamie, argent. Oh putain, mais pourquoi vous êtes trop... Vous êtes trop toxique. Je rigole. Non, non, Deva, tu vas attendre. Même si tu les as aujourd'hui, les 15 mai, j'ai essayé que tu les auras pas aujourd'hui. J'aime bien te faire rager. Ouais, c'est un peu mon côté bad bitch. Quelqu'un de la télé? Oui, bah oui, j'en ai rencontré quand même. Je peux pas toutes les citer parce que là, franchement, il y en a trop, quoi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai déjà vu? Jacques Chirac, genre de la télé. Jacques Chirac, Mercotte, Cyril Lignac, bah oui, je l'ai vu. Un présentateur. Comment elle s'appelle là, la meuf Bégette, la grande bombe? Avec Michel Simès là. Adriana Carambeu. Ouais. Non, ils viennent pas de la télé. Ça, c'est une youtubeuse. Il y a qui que j'ai pu voir? Ah si, Tour de France, bah toute la clique du Tour de France, genre les présentateurs et tout, tous. Tu les as vus dans quel contexte? Jacques Chirac à Saint-Tropez quand j'étais petite. Cyril Lignac, bah, il m'a ouvert la porte de sa pâtisserie là en août. Ouais, je sais. Mercotte, bah, Mercotte, elle habite vers chez moi, donc on peut la voir quand on veut, hein, tout le temps. Après, Adriana Carambeu, truc de restaurant il y a longtemps. Il y a trop. J'ai trop un background en fait. J'ai pas le time pour vous. J'ai déjà vu qui? J'ai vu des youtubeurs, oui, j'en ai vu. Mais des youtubeurs, ils passent pas à la télé, je suis con. Je sais pas. Oh, Mister Beast, 11 millions de vues en 2 heures. Mais il se fout de ma gueule, lui. 11 millions de vues. I'm sorry. Ça va et toi? Je t'ai vu au début du live. Pourquoi tu dis comme si tu venais d'arriver? Je t'ai déjà vu tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je peux mettre ici? J'ai envie de mettre des bandes partout, mais j'ai pas de place pour mettre des bandes. T'as habité combien de pays dans ta vie? Je les avais comptés, je crois qu'il y en avait 5. France, Suisse, Italie, Tunisie, Turquie, Maroc, Grèce. 7. Ça compte les principautés? Principauté Monaco, Vatican. 9. C'est la meuf vraiment. Allez, on compte des pays en plus. Jean Castex a marié mon oncle quand il. Jean Lassalle. Je vais voir Jean Lassalle aussi bientôt. Au salon des maires. Je pense qu'il y sera vu que je vous ai déjà expliqué la story time, mais le maire de mon village est pote avec Jean Castex. Ils se bourrent la gueule ensemble. Il passe trop de choses dans le domaine. Est-ce qu'elle t'a préféré Italie? Suisse? Tunisie, ouais, Tunisie, j'y suis tellement allée. Grèce? Turquie, j'ai pas trop. Enfin, Turquie, j'y suis allée qu'une journée, donc j'ai pas trop d'habitude. Les 200 millions. Ouais, j'ai vu, il va dépasser T-Series. Mais T-Series, nous, en France, on connaît même pas. Genre, T-Series, oui, on sait pas qui c'est, nous. Ouais, la Grèce, j'y suis allée, c'était. C'est magnifique. Franchement, t'as des pays, t'es là en mode, mais c'est incroyable. L'Italie, j'ai fait Venise et j'ai fait Rome. Rome, c'est un magnifique voyage. Allez au Vatican au moins une fois dans votre vie, les gars. Tissier, un inconnu du bâtiment. Bah, c'est indien et les Indiens sont 1 milliard. Donc forcément, ils parlent quelle langue, les Indiens? Ils parlent hindou. Ou je dis de la merde et du coup, faudrait que j'aille me coucher. Ils parlent pas. C'est une langue, là. Je dis indonésien. Allez, va te coucher, Charine, là, c'est mieux. Non, non, ouais, ils parlent toutes les langues, là. I'm a fairy tale, I lose my mind. C'est quel pays où t'aimerais. T'y peux encore aller. J'ai déjà dit, mais Japon, États-Unis. États-Unis pour voir un peu si c'est vraiment si bien que ça. Et Japon. Parce que c'est stylé. Japon ou Corée du Sud. Je ne me confonds pas avec la Corée du Nord, bien sûr, quand même. Non, je lis pas de manga, je suis pas dans le délire. Kawabaka, je sais pas quoi, non. Ah oui, j'aimerais bien aussi aller en Angleterre.
Mais l'Italie, enfin, j'aime trop l'Italie. Je sais pas, j'ai l'Italie dans les veines, qu'est-ce que tu veux? Et j'aimerais bien aller en Italie pour parler italien. Mais bon, la dernière fois, j'ai pas trop osé. Je parlais anglais. T'es un peu con? Ah oui, attends, hindou, c'est par rapport à la religion hindouisme et l'hindi. Une des langues de l'Inde. Comment ça, il y a plusieurs langues en Inde? Hindi, on dirait un nom d'application ou un pseudonyme. Je vous donne des idées, les gars. Ça me dit que bref, c'est quoi? T'as ma playlist sur YouTube, si tu veux. C'est des musiques vraiment chelou. Madara, je te supprime ton message. Je fais une crise d'épilepsie. C'est quoi toutes ces émotes? Comment ça, mon ref? Aller au Japon, mon rêve, mais bon prix. Mais moi, je vous ai déjà dit, je le dis à chaque live, mais je veux être suffisamment riche pour offrir le voyage au Japon à mon cousin. Mais bon, c'est pas le cas. Et Dialga? Pas le cas, Dialga, j'adore. Ouais, j'ai vu Mika, c'est la mi-temps actuellement. Currently. Mika, t'es bilingue ou pas? Parce que t'as une tête à être bilingue. Je sais pas, t'as une tête de bilingue. Enfin, t'as une tête de littéraire. C'est quoi ces stéréotypes que t'as sur ça? Non, mais je sais pas. Mika est bilingue, ça se voit. Bilingue qui en anglais, oui. Tu vois? Je connais pas sa vie, mais je sais que t'es bilingue. C'est fou, ça. Ça s'appelle le talent. Mais ça va être trop bien d'être polyglotte, genre tu sais parler toutes les langues et tout. T'impressionne. Pardon, je vous rote à la gueule. Ouais, à chaque live. Vraiment, genre à chaque live, je vous rote à la gueule. Non mais je vous aime, hein. Deva, tu seras pas... Eh, tu t'auras beau avoir les 15K aujourd'hui. Non, non. J'ai décidé que je serais une personne ingrate et que je te ferais subir et je te ferais attendre. Donc tu attendras. Non mais Mika aussi, on parle de choses réalistes. Bilingue en allemand. Guten Tag, Portofen. C'est une tarte qui est fun. C'est fou ça. Merci Fauve pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Shine la mentaliste. Ouais, je vous ai pas dit. Je suis un mentali. Mentali. Tu as combien de mots dans le carnet? Dans ma vie, j'ai eu un mot en sixième. Parce que je faisais un concours de lancer de gomme dans le dos de mon prof de maths. Et ça va, il était sympa, il a marqué pour bavardage. Et je crois que c'était en 5ème ou 4ème, mais la prof en fait elle s'est gourée de personne. Elle m'a mis dans le carnet pour bavardage, sauf que j'étais juste retournée comme ça. Et j'avais la bouche ouverte, enfin, tu vois, je fais un mouvement de bouche, elle croyait que je parlais. Du coup non, voilà. Vous avez vu comme je suis une tag? Non Mathilde. Je parle italien que quand il y a des abonnés italiens sur mon live, ça oui. Mais c'est dur de parler une autre langue devant des gens parce qu'on a trop peur de se faire juger les Français. Vous trouvez pas? Genre moi, si vraiment je m'appliquerais à parler en anglais, j'aurais trop peur qu'on se foute de ma gueule. Bon, italien, ça calme parce que pas beaucoup de gens dans le live parlent italien, donc tranquille. Mais en anglais, vu qu'il y a des gens qui parlent enfin qui sont bilingues en anglais sur live, je me dis, vas-y, je me tape la honte et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ma connexion qui allait se faire foutre des fois. Hein. Non, mais je sais pas, on est où? Sur tel. Il y a une fonctionnalité aussi sur Twitch de bloquer. Tu vois, les gens qui sont bloqués sur mon live. Bandef. Et bah, ils pourront pas regarder le live. Bah, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis. Donc, les gens qui sont bandef sur mon live, je vous ai. Ils peuvent pas regarder mes lives. Mais ils peuvent regarder le rediff de mes lives YouTube. Donc, comme ça, vous regardez les pubs. Et ça me fait là-dessus. Je rigole. Voilà. Balayette à taco. Mais grave, elle casse les couilles. Le mercredi après, mais elle fonctionne super bien. Et là, des fois, elle dit non. Non, non, non. Non, 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 non. Hortensia rose. Jaune. 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 Bleu. Hello, which cage, t'es dur. Je vais te ramener mes potos youtubeurs allemands, ça va te calmer. Hello, which cage, dur. Vous avez vu comment je suis polyglotte, moi? Moi, je suis polyglotte, genre... hello, good morning, kawaii, baka... slava... ah, mais moi, je suis polyglotte, c'est pas vrai. Coucou, Elisa, comment ça va? Alizéa, je sais pas si tu te rends compte de ta question. Elle est ultra maladroite, et jamais de la vie, je parlerai de politique comme ça sur le live.
Jamais. Au grand jamais, je parlais de politique comme ça. Moi, j'adore la politique. Je pourrais débattre pendant des heures, mais quand on est, guillemets, personnalité publique, parler de ça, sujet glissant, on évite. Donc, je ne me prononcerai pas. Ma connexion, mais va te faire foutre. Ma co l'autruche. Ma connexion, c'est une petite autruche. Allez. Can you rise, Mako? La co, c'est ciao. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Allez, on y croit. Qu'est-ce que c'est bon? Re. Ça remonte, c'est dans le vert. Qu'est-ce qu'elle est chiante? La co est nulle. Mais il a fait mauvais. C'est ma seule raison. Non, mais je sais pas, genre. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Des fois, elle veut pas. Je suis trop proche. 15 000 GG et re pour les croustillants. Attends, faut que j'aille là. Non, je regarde où je dois aller dans ma... Hop là. Désolée si des fois ma connexion elle bug pendant 2 minutes. Mais des fois elle m'aime pas. Là tout va bien, hein. C'est fou ça. Je suis quadrilingue. Moi je suis polyglotte. Je speak le franchisé, je speak... Non, angoisse. Le décalage est à combien? De quoi le décalage est à combien? Comment ça, il y a un décalage? Il y a un décalage horaire en plus? Non mais... Ah mais attends, personne m'a dit qu'il y avait un problème de décalage aussi ici. C'est fou ça. Deva, tu vas attendre. Je peux faire quoi ici? J'ai pas un énorme meuble. Ah si... You know. On va mettre des grosses boules de Noël là. Des grosses boules de Noël. Tu fais la déco du camping? Non, il mérite pas. Eh hey, ma connexion là. On va se faire un octogone. Environ. Oh ça va, 30 secondes. Des fois c'est bien quand il y a un peu de décalage. Parce que quand il n'y a pas de décalage, je sais pas, c'est bizarre. Vive l'argent, vive l'oseille, vive la moulaga, la thunasse. Attends, il y a combien de mots pour désigner l'argent? La moulaga, la thunasse, l'oseille, le fric. Il y a trop de mots pour désigner un seul et unique mot. Ah, je vais mettre un volcan. Aïlwen serait contente. Putain, Aïlwen, elle date. Ça va et toi? Un bulldozer. On va mettre un beau bulldozer, les gars. On dirait une meuf de la... enfin, une personne de la racaille qui parle. Un beau bulldozer. L'angoisse. Allume-toi. Allume-toi, Sésame. Adem, c'est pas par rapport à l'anniversaire, c'est par rapport à un... Comme sur Reddit, je crois. Non, mais tu me parles de Sheima, elle. On va se choper, ça va... Ça va péter. C'est dans quoi, déjà? Ça va péter. Non, Sheima, c'est un cas... C'est un cas à part. C'est Sheima. Je vais mettre un beau bulldozer, les gars. Mets-toi un bulldozer. Je trouve déjà ce mot extrêmement drôle, genre un bulldozer. Moi, je mange des cartes graphiques. Ah, t'as un modo Discord? Moi, ce qui me ferait, c'est que mon cousin, c'est un modo Discord, sauf qu'il n'est pas modo. Donc, il vit tous les jours, genre sur les écrans et tout. Non, je l'ai pas sur la... J'ai pas ma Switch. Attendez. Mais regardons s'il est en ligne, mon cousin. Regardez s'il est en ligne. Mais Sheima, un amour en vrai. Et tu connais pas son vrai visage à l'autre folle. Oh là là, je rigole. Alors, mon cousin, Paragor. C'est Paragon ou Paragor, son pseudo, je sais même plus. Vous avez une demande d'amis reçue. Ami en ligne. Est-ce qu'il est en ligne? Charline est en ligne. Ouais, c'est moi. J'ai regardé, c'était quand la dernière fois qu'il était en ligne? Il y a 9 heures, Paragon. Il joue à quoi?
Pokémon épée, il a 355 heures, punaise. C'est énorme. Et Clara, 70 heures. Ah oui, effectivement, il y a Dieu qui l'a aimé. Intéressant. Une maison à côté. Comment ça, une maison à côté? Nous, ici, on fait la refonte. On me dit avec ma famille. Oh là là. Fan de Pokémon. Bah, avec mes cousins, on joue à Pokémon. Avant de jouer à Animal Crossing, on joue... Enfin, on a toujours joué à Pokémon. On jouait pas à Animal Crossing. Vraiment, Pokémon Diamant et Perle, on a eu... Bah, 800 heures de jeu dessus. Quand on était petit, quoi. Donc, vous doutez bien que... Bon. L'odeur. Bon, ça va. J'ai 1000 heures de jeu. Bah, après, Animal Crossing, c'est un peu mon taf. It's true, yes, but... Ou oui, portugais. Comment ça, oui? Ah oui, je connais. J'ai de que vous avez la ref. Ah oui, nanana. On va mettre un beau sapin. On m'attendait à mettre un beau sapin. Mon beau sapin, Renef. Oh my god, vous voyez, c'est là mon beau sapin, Renef. C'est un. Les vocaux qu'on avait sur la DS. Putain, mais t'es dehors, mais attendez, je voulais vous les réécouter. Attendez. Mon beau sapin, regarde-toi. Il faut que je fasse écouter ce doux miel pour une belle fin de stream. Attends, oui, je suis en mode. Alors, regardez les gars. J'ai de la batterie, j'espère, sur ce DS. Oh, elle clignote. Elle est rouge, ma console, elle est rouge. Attendez. Oh là, mais c'est tout petit. Oh, putain, ma main, comme elle est grande. Pour moi, quand j'étais petit, c'était super grand. Attendez, faut que vous fassiez écouter. Ça date d'il y a 10 ans. Hein. Attendez. Bah, justement, c'est Axel qui s'en prend encore une. Axel est le plus con. 2012. Axel est le plus con du monde. Mais pas lui. Putain, mes cousins, ils s'en sont pris, non? C'est super drôle. Anyway, oh tiens, vous voyez mon truc de AirPod. Oh, c'est moi la voiture. 2011. J'ai plus. Oh non, elle s'est éteinte, cette vieille folle, connasse. Allume-toi. Elle clignote même pas. T'as plus assez de batterie pour clignoter? C'est trop drôle. Mais j'ai que des conneries comme ça. Mais... J'ai un problème avec Axel. Axel est le plus con. Et ça, c'est vrai, ouais. Et bien sûr, vrai. Oui. Axel. Yeah. Ah, voilà. Ah, bah, c'est ça dont je vous parlais. Attendez. Et dans ma tête, c'était normal. C'était il y a 10 ans, hein, c'était en 2012-2011. Quel Axel... Axel, c'est mon cousin qui... Bah, le modo Discord. Et il a un grand frère qui a besoin de plus que nous, Loïc. Putain, pauvre Axel. Et on faisait que le bully. Genre, Axel est le plus con, n'est pas Loïc. Mais vraiment, je sais pas, c'est devenu un mème dans ma tête. Genre, et mon beau sapin. Et bah ça aussi, c'est devenu un mème. Et je suis le meilleur. Vraiment, mais que des conneries comme ça. Mais faut que j'y garde, non, les gars, c'est trop collector. Oh, c'était comme... Je peux pas vous en parler, mais j'en avais parlé une fois sur le stream de scène. J'ai un cadavre de chat dans ma DS. Les gars, j'ai un cadavre... J'ai pris en photo un cadavre de chat de... Oh, il y a Moustache, c'est le chat de ma mamie. C'est Mamie Pousse. Mamie qui faisait mes devoirs. Bah, Moustache est mort, figurez-vous. Il est mort quand? 7 mois? 6 mois? Ouais, venez, on sort les mouchoirs.
Pardon, non mais les gars, j'ai une photo d'un cadavre de chat et je me suis dit mais quelle bonne idée de le prendre en photo. Je pense qu'il manque des... Oh, il y a une photo de... Oh, putain, en 2016, il était jeune. J'ai une photo de... Je me permets, une photo de mon daron ou de loin, vous voyez pas. J'ai une photo de moi... Attendez les gars, vous allez chialer sa race. Regardez comme j'étais un bébé. J'étais un bébé. J'étais un fœtus. Désolé, ça part en live react, mais bon. Regardez comme j'étais bébé quand j'ai eu ma DS. Et ce nounours, ceux qui ont vu ma vidéo de mezzanine, il y est. C'est le même nounours de ma mezzanine. Oui, je le ferme. Je ferme le rideau de la chambre. J'arrive, attendez. Pas de spam, ouais s'il vous plaît, c'est bon, je suis là. Bon du coup, j'en étais, excusez-moi. J'ai fermé le rideau de ma chambre, j'ai encore oublié. Ça, c'était chez ma mamie. Ça, c'est vraiment, ça part en live comme ça. Pauvre moustache. Ça, c'est Yahoo. Lui, il est mort début 2022. C'est chez ma mamie du pouce, enfin bref, la mamie iconique. Ah bah super, une photo de mon papy. Photo de mon papy qui est mort l'année dernière. Super, allez, on chiale. Photo du orange, mon chat préféré, qui a disparu en 2017. Putain, je parle grave de trucs horribles. Orange, il a disparu du jour au lendemain. C'était mon chat avant Gandhi. Ouais, les deux, c'est super. Oh, mais regardez comme j'étais un bébé. Oh, ça part en live, stream et react, désolé, hein. Mais je faisais des selfies improbables en 2010. 2010, je faisais des selfies improbables. Cyrine, je te banne tempo. Je t'ai dit combien de fois stop. Arrête de dire combien de temps de live. À chaque live, tu le fais. Je t'ai dit stop. La prochaine fois, c'est banal. Je sais pas, faut arrêter. C'est trop chiant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme photo? Des photos extraites. Attendez, je vous dis si j'ai la photo du cadavre. Je vous montrerai pas la photo du cadavre. Mais pourquoi j'ai une photo de cadavre de chat? C'est passé quoi dans ma tête? Oh non, c'est moi. Ça, c'est Loïc, à côté. Bébé chat. Mais j'étais un bébé. Et en même temps, j'ai eu ma DS, je savais même pas lire, limite. J'avais 6 ans. Oh, il y a une photo de mes deux darons. Attendez, je me grouille. Désolé pour le chat. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour rien. J'ai une photo de ma mémé. Mais je faisais des selfies douteux, hein. J'étais douteuse. Promis, mais j'étais un bébé. Ah, attendez, j'ai des... Ah, il y a une photo de ma cousine. Ça, c'est ma cousine qui est à Paris, Swan. Elle avait sa petite DS noire et tout. On faisait des Wi-Fi sur Animal Crossing. Trop mimi, ouais, j'adore. On était trop chou. Mais j'ai des bons gros clichés, enfin gros clichés, pardon, des bons gros dossiers qui arrivent. Oh, photo de ça. Nos moyens de distraction, un vélo. T'étais trop mimes. J'avoue, j'étais mimes. J'ai une photo, oh non. Oh, il était tout petit, mon cousin. En 2010. Attends, en 2010. Ah, mais en fait, j'ai vraiment une photo de mon grand-père, mon autre grand-père. Mais ça date de 2010. Et il est mort en 2010, les gars, ça. Oh, ça, c'est Cassis. Non, ça, c'est Caramel. En gros, ma mamie, elle avait 4 chats. Moustache, Yahoo, Orange, que je vous ai fait voir, et Minette. Minette, c'était la maman. Bon, elle, je l'ai pas en photo, mais elle a eu des chatons. Ça, c'est Caramel, et à côté, il y a Cassis. Oh, ça, c'est... Bah, Swan et Moustache. Swan, c'était son chat Moustache, le noir. Je suis pas raciste. Et ça, c'est Orange, avec une... Une magnifique perruque. Moi qui prends en photo un dîner presque parfait. Désolée si ça vous intéresse pas, mais moi je suis trop contente. J'ai pris une photo de mon doudou à Val d'Isère. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais une photo de mon doudou à Val d'Isère. Ça, j'avais eu la pète pour elle.
Eh, n'hésitez pas à réagir, les gars. J'ai tombé sur la photo du cadavre de chat, ça va vous calmer. J'ai une photo de mon daron. Je peux pas vous dire. Et de ce qu'on avait. Bah, j'ai une photo de mon daron. Il a juste une couette sur lui, genre vraiment, il venait de sortir de la douche. Oh, regardez comme j'étais mimi. Là, par contre, personne peut rivaliser avec mon doudou. Il est là, mon doudou, mais j'en ai rien à foutre de ce doudou maintenant, c'est fou. Regardez la teigne, Axel. Des photos douteuses. Oh, j'ai des dossiers. Oh, c'était là, le chien de ma grand-mère. Qui est morte. Vraiment. Ah, oh, les chevaux de mes grands-parents. Ils sont tous morts. Désolé, c'est super triste. Vraiment, c'est horrible de se dire en 10 ans, ils sont tous morts. Genre, en 13 ans. Ça, c'est Opal et Lizzie. C'est Lizzie ? Opal, le poney de ma grand-mère. Et Lizzie, son autre poney. Ça, c'est ma grand-mère avec le doigt. Et ça, c'est mon papy, au loin. C'est les chevaux. Elle avait des chevaux. Oh, il y a Opal, Lizzie et Lily. Opal, Lizzie et Lily. On sort les mouchoirs. Oh non, mais si vous voulez, on peut chialer. Hein. Oh, mes deux darons, comment ils étaient jeunes. Oh, il y a une photo. Oh, ma déesse, elle cliquette. Une photo de mon papy, qui est bien sûr décédé, sinon c'est pas drôle. Super. Une photo de ma mémé et de mon pépé. Cette photo est collector, elle est coupée à moitié. Mais il est mort en 2010, les gars. C'est une photo qui date de 2010, c'est super vieux. Regardez les teignes, là. Regardez les deux teignes. Des gros cassos. Une photo de gens que je ne connais pas. Une photo de mes deux parents qui s'embrassent. Cette photo impossible qu'elle date de 2012. Je fais beaucoup plus vieille, là. En 2 ans, j'ai grave grandi, non? J'étais un bébé. Oh, ça, c'est comme... Attends. J'ai une photo quand mon père faisait cette maison-là. Venez, on pleure, on sort les mouchoirs. Une photo comme si mon doux était mort. À l'aide, recoucou. Les dossiers sur 3DS. Mais je sais pas, enfin ma DS, je sais pas si je peux exporter les photos. J'ai encore une photo de mon daron avec une serviette qui sortait de la douche. Mais c'est dingue, ça. J'avais une obsession pour le foutre à poil. Je sais pas, j'étais chelou. J'étais jeune. Les photos de cabane. Ça, toi-même, tu sais. Et ça, c'est la même, bah, où j'habite actuellement, qui est en travaux, en 2012. Avec ma cousine. Ça, c'est où? Bah, ça, c'est ici, en fait. Ça, c'est ma chambre. Voilà ma chambre. Elle est belle, ma chambre, en 2012. Très, très jolie. Où mes darons se font des bisous MDR, ça... mais moi aussi, ils sont plus de bisous. Hein. 2012. Non, ça c'est pas 2012. Ça c'est Gandhi, c'était en 2016, si tu veux. Non, en 2016. Oh, regardez comme il était beau, il avait un beau pelage blanc, Gangan. Ça c'était dans mon ancienne maison. Oh, les photos du cadavre. Le 29 octobre 2012, à 15h, je me suis dit, putain, une photo de cadavre de chat. C'est horrible. Je peux pas vous les faire voir parce que, bah non, quand même, on peut pas voir ça. Mais... Il y a un moment dans ma vie, je me suis dit, tiens, je prenais ça en photo. Des photos de l'huile Rapwambine. Oh, qui se souvient des Rapwambine? New Leaf, Alexia de Biscuit, ça c'était les deux maisons de Eustache. Camille, oh, Camille SNL, ma première abonnée, on est encore en contact. C'est avec elle qu'on avait fait live avec Cadel, s'il y en a qui se souviennent, en décembre. Ça, c'est 2018, 2017. Là, on me reconnaît. J'ai des bails. Faites des voisins. Tu joues plus sur Animal Crossing? Non, je pense que... En plus, ça fait longtemps. Et j'ai essayé, moi, j'ai fini les photos. Attendez, venez, j'ai une petite photo avec vous, comme ça, j'ai un souvenir. Ah bah, j'ai super, j'ai plus de batterie, connard. Bon, la vie fait que... Oh là là, ça m'émeut. Donc voilà, c'était la vie de Charline. J'espère que vous avez été intéressé par cette vie. Les trois quarts des choses que je vous ai dit, c'est « Oh, regardez les animaux, ils sont tous morts. » Mais sur ma DS, j'étais trop conne, j'ai supprimé toutes les photos. Après, j'avais que des photos de ASNL. Et pourquoi j'ai tout supprimé? J'étais trop conne. Avec cette biscuit, j'avais fait le glitch, pour finalement, j'avais abandonné. J'avais Savannah, Rapwambine. Je me souviens de Rapwambine. Mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, non? Bref. Je vais arrêter live.
En tout cas, merci pour ce petit live, ça m'a fait du bien. Demain, j'ai bossé la DA de Twitch. Je vais essayer de changer les panneaux et tout. Et demain, ça sera un live... Non, je vais pas faire du Zidil. Et à partir de la semaine pro, nouveau planning. J'ai un peu moins livé. Comment s'appellent les habitants de ton île? Les habitants que j'ai sur mon île, tu veux dire? Genre... là, maintenant? Premier soleil, merci, c'est gentil. Mais sur ma DS, j'ai pas ça. J'ai la guerre des têtes. Question 2. La guerre des têtes, ça fait... Waouh, oh, comme ça. Qui s'en souvient, la guerre des têtes? C'était mon premier live. Eh ben, bienvenue à toi. Ouais, demain, podcast à 10h30 sur le stress. Pas mal. Et vidéo à 16h50, je suis en train de me casser la gueule. Mercredi, normalement, vidéo Animal Crossing, je suis pas sûre. Vidéo lifestyle, normalement, je crois. Après, bah, on fait la semaine, quoi, tranquille. La guerre des têtes à date. Attendez, j'ai ma DS. Je vais prendre ma DS, les gars. Je suis obligée de tenir mon bas. C'est pas qui. J'ai peur. Envoyez mon cul en live, s'il vous plaît. Bon, puis envoyez mon cul, hein. Enfin, c'est après, sur Internet. Mais la DS, ça met tellement de temps à s'allumer, c'est chiant. Par rapport à la 2DS, enfin à la DS Lite, pardon, ça prend pas de temps. Demain, vidéo SH, bien sûr. Regarde comme elle est longue. Et oui, j'ai plus le pad. Tiens, en parlant de la guerre des têtes. Photo de ma grand-mère. Mamie iconique. C'est mamie iconique. Faut qu'on fasse la guerre des têtes, ça faisait... Wouah! Oh, oh. Même que j'ai une photo de mon chat. Enfin, de Orange. Le chat mort. Ah bah tiens, il est là. Mission éclair collection. On va aller dans collection. Regardez, c'est Orange. Orange! Orange, tu me manques. Tu es mort. Ça, c'est moi quand j'étais petite. 2013. Photo du salon, de mon ancien salon, de mon ancienne maison. Loïc, une cassos, une autre cassos. Ma mamie. Oh, quand elle te faisait encore des couleurs, ma mamie. Aime bien. Les têtes. Ah non, mais la guerre des têtes. Sinon, moi, je regardais YouTube. Je regardais des... J'avais pas le droit aux écrans après. Après manger, du coup je prenais YouTube et je regardais des vidéos ASMR sur YouTube en 2015-2016. Tout début, je connaissais YouTube. Oh, j'avais Harvest Moon. Oh my god, Harvest Moon. J'étais mariée à un mec trop moche. Et vous, qui se souvient de... Ah, comment s'appelait ce jeu? Attendez, comment s'appelait ce jeu? Nintendo Badge Arcade. Et il y a un truc, je vais vous débloquer un souvenir, les gars, c'est... Comment ça s'appelle? Miaou miaou, c'est le show de Mario Chat. Venez, regarde le show de Mario Chat, ça vous dit? Vous connaissez? Merci, c'est gentil. Sur Nintendo eShop, il y avait ça. Miaou miaou, c'est le show de Mario Chat. Moi, je regardais ça sur Nintendo eShop, j'étais vraiment une cassasse. Venez, regarde. T'as un grotte partout. Et j'espère ma call va le permettre. On regarde la guerre des chats. La guerre des chats. Fou, allez. YouTube. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Désolé, je me gratte le pif. Horrible mon nez. C'est quoi déjà? Le show de Mario Chat. Miaou, miaou, c'est le show de Mario Chat. Sur Nulif, je le connais par cœur. Le show de Mario Chat épisode 1 YTP. Ah genre ils ont parlé de la Nintendo Switch. Attendez, je vais juste chercher Animal Crossing parce que s'il y en a un sur Animal Crossing, c'est obligé. Étant donné que je l'ai vu. Ah parfait. Il y a 8 ans. Super comme ça. Peggy 3. Venez, on regarde le show de Mario Chat. C'est le show de Mario Chat. J'allais dire Mario Chat. Pardon. Je me sens que c'est une Mario Kart. Moi, je m'en souviens tous. Genre le tuto, comment créer un motif est... Mario. Bon, alors. Toi, tu dégages. Avermedia, tu dégages. Ouais, je parle bien de mon Avermedia. Capture de fenêtre. Putain, mais c'est... Merde, j'ai fait de la merde. Oh, regardez comme je suis forte. C'était pour Nintendo Direct, ça. Vous me dites si vous entendez, hein. C'est trop fort.
shit. C'est le show de Mario Chat. Bonjour à tous. Dans cet épisode du show de Mario Chat, nous allons vous parler de plein de jeux différents. Passons tout de suite. On garde le show de Mario Chat. Mais c'est trop fort ou pas assez fort? Oh, tu connais pas? Le quiz Mario Chat. Le quiz. Attends, pour ceux qui connaissent pas le show de Mario Chat, c'est un truc, des petites vidéos qu'il y avait tous les mois sur le Nintendo eShop, et c'était aussi publié sur la chaîne YouTube de Nintendo, moi je connaissais pas, donc je regardais que sur le Nintendo eShop, et c'était les actualités de Nintendo, et c'est iconique. Miaou, miaou, c'est le chat. Et c'est la voix de Mickey, il y en a qui m'ont dit après, je me suis dit, putain ouais, Mario c'est la voix de Mickey, dis donc. Mario Chat du jour sur Super Mario 3D World. Des allez, souvenirs. C'est parti pour la première question. Attendez, moi je vais. Ceci est un Koopa Troopa. Vous ok, 2013. Tous, si vous leur sautez dessus, ils glissent hors de leur carapace. Ouais. Alors voici la question. À quoi ressemble un Koopa Troopa dans sa carapace? 1. Il porte un t-shirt. Il est tout nu. Il est tout nu. 3. Il est en maillot de bain. Bah il est tout nu. 4. Il porte un Marcel. Bah il est tout nu, non? Non? Ah ouais, il est tout nu. Et la réponse est 4. Il porte un Marcel. Je suis choquée. Peut-être qu'une carapace est confortable après tout. Car quand Mario la leur retire, il court désespérément après elle. Ah les pauvres. Attendez, faut qu'on regarde où il y a Animal Crossing. Où il y avait Nulif. Ah. Ah, ça parle de Nulif. Venez, on pleure. Tu l'as trouvé. C'est tout pour le quiz du jour. Alors passons à la suite. Il commence à faire frais avec l'arrivée de l'hiver. Il faut donc rester bien au chaud. C'est le moment que j'aille voir ce qu'il se passe dans mon village dans Animal Crossing et Nulif. Oh, en parlant de ça, la neige est tombée. Hein? C'était quoi ce bruit? Ah, ting ting ting. C'était quoi ça? Nulif. Oh, en parlant de ça, la neige est tombée et je n'ai toujours pas. Mais pardon? Si seulement quelqu'un à l'aide. Oh, Mario Chat, peut-être que quelqu'un a une jolie paire de mitaines. En cette saison des fêtes, on a envie de rendre les gens heureux. Voyons comment y parvenir dans Animal Crossing. Attaque de petit. Oh. Aucun doute, c'est bien l'hiver ici. J'adore la neige. Oh my gosh. Moi aussi. Et dans Animal Crossing New Leaf, la neige arrive toujours vers cette période de l'année. Oh, émouvant. Regarde, quelqu'un fabrique un Titi Yeti. Un Titi Yeti? Ah mais c'est le petit, ouais. L'époque où il y avait plusieurs trucs dans New Leaf. Les arbres sont magnifiques. Ils sont si beaux avec ces illuminations. Ah, ils paraissent bien plats. C'est sympa de se réchauffer en allant chez Robesto pour boire pas de quelque chose de chaud. Qui s'en souvient? Le 24 décembre dans Animal Crossing New Leaf, il y a un événement Rodolphe. Spécial commence. C'est le jour. Vous savez qu'avant, je me trompais entre Adolphe et Rodolphe, donc je l'appelais Adolphe. C'est pas la même personne, Adolphe. Des cadeaux! Ce n'est pas pour toi, Mario Chat, mais pour tes villageois dans Animal Crossing New Leaf. Le jour des cadeaux est l'occasion rêvée de rendre tous les villageois vraiment heureux en leur offrant les cadeaux qu'ils veulent. Oh ouais, le glow up. Dès le 1er décembre, les villageois vont te donner des indices sur ce qu'ils veulent. Moi, je me souviens. Camille, elle voulait un frigo en 2014, elle voulait un frigo. Camille, je m'en souviens. Chacun d'eux, au cours du mois, pour découvrir de quoi il s'agit. C'est Rina. Les indices peuvent être aussi simples. René. Je veux quelque Lucie. Chose de bleu. Pense à retenir tous ces indices. Ensuite, il va falloir te déguiser. Au mois de décembre, les sœurs Doigts de Fée vendent des éléments de la tenue de Père Noël. Il y a 5 vêtements en tout, alors... Mako. Grosse folle, reviens. Ah, j'ai hâte qu'elle revienne, cette folle. Qu'est-ce que c'est chiant quand ça fait ça, Mako. J'en puis plus, moi. J'en puis plus, je suis pas payée pour ça. Récupère-les tous. Allez, hop, c'est bon. Et c'est Rodolphe le Renne. À 20h, le jour des cadeaux, Rodolphe le Renne apparaît et vous demande de l'aider si vous lui parlez. Mais seulement si vous portez la tenue du Père Noël complète. Trop mignon. Maintenant, à vous de rendre vos villageois heureux en distribuant les cadeaux que Rodolphe vous a confiés. Oh, la voix de Mickey, ça me tue. Passez voir chaque villageois et donnez-leur le cadeau qui devrait leur plaire. Voyons GG si pour vous allez bien comprendre les indices et tout distribuer correctement. Tout à fait. Oh,
Oh, ce villageois a demandé quelque chose de vert. Alors, voyons ce que nous avons de vert. Pas ça. J'ai trouvé. Ça devrait lui... J'entends le Miska, Moska, Mickey Mouse. Mako, c'est bon, elle revient là, Mako. Oh, oh, tu reviens, Mako. Mako, bah Mako, on est où? On est où? La lampe à poids rouge. C'est bon, là, je suis dans le vert. Qu'est-ce qu'elle veut me faire chier, cette co? Putain, casse tes couilles. Casse tes couilles. Casse les couilles. Connexion, reviens. Blair. On lui a offert le cadeau qu'il voulait. Une fois que vous avez distribué tous les cadeaux, retournez voir Rodolphe. Si vous avez offert les bons cadeaux à tout le monde, Rodolphe vous offrira un magnifique cadeau. Voyons wow. Si nous avons eu tout juste. Oui, on a réussi. C'est bon, ma couleur. Rodolphe vous a offert une jolie couronne de sapin. Couronne, c'est nul. Découvrons notre maison avec. Oh, la collection de dindes. C'est vraiment très joli et de circonstance. Mais qu'est-ce que tu fais, Pitcha? Attends, les écrans de ta Nintendo 3DS ont l'air différents. J'utilise ce qu'on appelle un thème. Nintendo Badge Arcade. Pour changer le fond de l'écran Home, l'apparence des dossiers. On est en train de s'amuser à regarder le show de Mario Chat d'il y a 8 ans. Ça n'a pas de logique. Par contre, ma connexion, il serait un peu temps de se rétablir, s'il te plaît. Je comprends. Là, vraiment, elle m'a dit, va te faire foutre. Après, j'avoue, ça fait 2h30 de live. On peut pas lui en vouloir, ça va. Les souvenirs. Mais moi j'ai envie de chialer, genre. Je suis en mode. Trop mimi, Adam. En peach. Moi j'avais pas peach. Moi ma DS elle était comme ça, elle était blanche. C'était elle, sauf que moi j'ai plus de pattes depuis 3 ans. Non, 6 ans. Et la musique de fond. Ils sont aussi compatibles avec les consoles Nintendo 3DS et 2DS. Nous parlons des différents thèmes plus en détail la prochaine fois. Ah, ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Alors, deux cadeaux. Offrons-en un à tous ceux qui regardent notre show. Nous avons le plaisir de vous offrir un thème du show de Mario Chat. 2015. Attendez, les gars, c'est écrit 2015. J'ai chialé. Ah, pour votre Nintendo 3DS. Mais j'ai chialé. 2015. C'est quoi, cette dinguerie? 2015. Il y en a qui étaient pas nés, peut-être. Appium Designer. Ah, c'est ça. La musique. Sorte de client, vous... Putain, mais ma connexion, j'ai la putée. Casse les couilles. Quoi de merde. Ah, mais on souffle là, Mako. C'est bon, t'es chiante. Je veux faire le show de Mario Chat, je veux lire. Attendez. Peggy 12. Miaou, miaou, c'est le show de Mario Chat. Bonjour à tous, nous revoilà en pleine forme. Mais c'est la voix de Mickey, je vais chialer. Nous revoilà à tous, miaou. À tout le monde, il dit Mosca, Mika, Mickey Mouse. J'espère que vous êtes prêts à découvrir de nouveaux trucs et astuces amusants et des nouveautés. Crossing Happy Home Designer. Waouh. Ah, mais c'est bien sûr. C'est trop bien. C'est un peu différent des autres jeux Animal Crossing. Au lieu de gérer votre ville, ce jeu vous propose de créer de jolies maisons pour vos amis. Charlène. Joli. Et on peut aussi aider les gens. Ah, j'aime bien aider. J'aime bien aider, mais putain, on dirait un pervers. Joli. Et on peut aussi aider les gens. Ah, j'aime bien aider. Dans ce jeu, on travaille pour Tom Nook et on construit des maisons pour les animaux. Toutes sortes de clients vous demanderont de l'aide et vous fourniront des indications sur ce qu'ils aiment. Ensuite, c'est à vous de décorer chaque maison. Vous pouvez pour installer la maison, puis vous atteler à la décoration. Et ils recours à votre imagination pour leur créer la maison de leurs rêves. Vous pouvez tout meubler par vous-même et tout organiser comme bon vous semble. Plus vous aidez des amis animaux, plus vous débloquerez de jolis objets qui seront utiles. Attendez, il y a un quiz après. On fait le quiz. Des pièces. Vous pouvez créer de jolis petits jardins aussi. J'aime les jeux où on peut créer des choses. En plus... Mais vous trouvez pas la voix de Mickey? On dirait un truc bizarre. J'aime créer des choses. Si vous avez des cartes amiibo pour Animal Crossing, Happy Home Designer, vous pouvez les utiliser pour faire venir vos amis animaux. Des motifs personnels. Merci pour le follow, Elick, bienvenue. Tiens, retour. Et avec les cartes amiibo, vous pouvez organiser une petite fête. Oh, c'est vrai.
Attendez, réécoutons. Les cartes Amiibo, vous pouvez organiser une petite fête. C'est fête. Vrai. Vous pouvez utiliser les cartes. Qui est le bubbleur Mickey, putain. Vos amis préférés dans n'importe quelle maison. Ensuite, tout le monde peut rester et s'amuser. J'aime tellement cette petite fête. C'est super drôle, vraiment. Oh, moi aussi. C'est agréable de voir. Mais le gars est trop chelou. Animal Crossing et de voir à quel point ils aiment les espaces que j'ai créés pour eux. Attendez, il y a un quiz. Décorer des bâtiments. Ah, c'est un Pokémon. Pas pris la dernière fois. Hors pair. C'est parti. Oh. Lequel de ces objets. C'était quel Pokémon à l'époque? Pokémon. Pokémon. C'était quel Pokémon? Et c'est l'heure des Pokémon. Vous vous souvenez de tout ce qu'on vous a appris la dernière fois? C'est quel Pokémon? Nous vous avons rappelé les bases, ce que sont les Pokémon, le travail de dresseur de Pokémon, et nous avons aussi... Oh, Yoshi. Et nous avons aussi parlé. T'as essayé ta musique, Shine? Vous voulez que j'enlève? J'enlève si vous voulez. Je sais pas s'il fallait que je laisse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Miaou Miaou, c'est le show de Mario Chat. Miaou Miaou, c'est le show de Mario Chat. Oh bah tiens. C'est qui cette bégétitude qui a fait 300 000 vues en montrant son putain de chat? Oh, gangan. Pardon, désolé, je suis un peu in-off de ma vidéo. Juste parce qu'il est grandi. Je voulais vous faire voir quoi déjà? Ah putain, pub à CNL. Et là, je vais faire ma doubleuse. Le quiz. Il n'y a pas de quiz par rapport à ça. Ça, je m'en souviens de ces vidéos. Et vous, dans Animal Crossing, vous êtes plutôt Madame la mariée? Je voyais ça à la télé, je m'en souviens. Vilaine sorcière. Vilaine sorcière. Fan de pâtisserie. Fan de pâtisserie. Attendez, faut que je vous fasse voir. Regardez juste ce pattern, quoi. Les trucs qu'il y avait, ces meubles, je les veux dans New Horizons, c'est incroyable. Fan de pâtisserie. Fan de pâtisserie. Petite princesse. Petite princesse. Ouais, je connais le nom. C'est dingue, ça. Oh là là. Pour savoir comment partager des photos du jeu avec vos amis sur les réseaux sociaux, partage.nintendo.fr. Animal Crossing New Leaf inclus dans le pack Nintendo DDS. C'est la même voix que dans... Non, non, c'est pas la même voix. Non, après, il y a Denis Brunière, il fait la voix. Mais ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est un petit miel. Ici, vous n'avez qu'à tendre la main pour cueillir les fruits... Les... Oh là là. Oh. Vous avez envie d'évasion? Vous avez envie d'évasion? Dans Animal Crossing, je mène la vie de mes rêves. Vous cherchez un endroit où vous pourrez faire ce que vous voulez et être qui vous voulez. Qui vous voulez? Bienvenue dans le monde d'Animal Crossing. Ici, vous êtes libre de profiter de chaque jour comme il vous plaît, saison après saison. Ici, vous n'avez qu'à tendre la main pour cueillir les fruits les plus exquis. Oh, ça m'émeut. Ou déterrer d'anciens trésors préhistoriques. Oh. Ici, les insectes exotiques vagabondent, prêts à être attrapés, et les poissons colorés frétillent dans un ruisseau cristallin. Ta date, mais c'était il y a combien de temps ça? 10 ans. Partez à la rencontre de charmants habitants avec qui vous voulez lier d'amitié. 10 ans. C'est pas bon. Vous pouvez aussi faire vos virées shopping dans les boutiques de vêtements et meubles ou prendre un bain de soleil. Vous savez que l'île de Tortimer, elle est finito en avril 2024. Ils coupent tous les services Nintendo Online. Putain. Et sur des plages immaculées et vous rafraîchir en nageant ou en plongeant pour explorer la vie sous-marine. La vie ne s'arrête pas au coucher du soleil. Oh. Vous pouvez faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Moi, je me souviens, vous avez la tête et tout. Moi aussi, j'ai pleuré. Merci pour le programme, bienvenue. Les bananes. Ouais, il y a même plus les bananes. Vladimir, ça. Dis si je m'amuse avec ma souris. Dans Animal Crossing New Leaf. Dans Animal Crossing New Leaf. Et je crois qu'il y a un truc, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Pour certains, du coup, vous me connaissez de New Horizons, hein. Moi, c'est pas la pub, c'est le trailer. C'est vraiment une voix. Et vous allez vous dire, mais oui, Charline, t'as raison. J'ai toujours raison. Est-ce que c'est ça? Je crois pas que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est plus... Enfin, il y a 4 ans. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving at the... C'est le Your attention, please. The Nook Inc. Package... Après, je sais pas trop ce qu'ils disent. Deserted Island. In Desert Island. Je m'en souviens, j'ai écouté ça, c'était un mardi. Là, tu vois ça, tu dis putain, le jeu.
Et là, je me sens toutes les réactions des gens, c'était un... Tout le monde a hurlé la voix de Mario. Mais pourquoi il y a encore elle? Qu'est-ce que... Putain, vraiment, la photo me met grave en valeur. On voit mon pied. J'ai pété mon crâne, c'est super drôle. Ah, vraiment? Ah, tiens, et ça, c'est quand il y avait le monsieur, là, le vieux monsieur Denis Brougnard. L'aventure commence ici. Une plage paradisiaque, un feu de camp. Non, j'ai évité parce qu'après, eux, ils aiment bien foutre des strikes, Koh-Lanta. Vive l'anglais. Il y a quoi à regarder sinon par rapport à Animal Crossing? On va marquer Animal Crossing. Y a pas un truc à faire du react? Y a pas un film Animal Crossing qu'on pourrait regarder? Le film de 2006 là. Oh, bah je l'ai vu la vidéo. Vous avez vu comment je suis bien? Putain, qui est cette bégette qui a fait cette vidéo? Putain, elle est trop belle. Trop belle, trop belle. J'ai envie de faire du react sur des vidéos Animal Crossing. Oh, Crossing Channel. Et franchement, l'île de Squeezie, préfère mieux. Hein. Le film SNL, ouais, il a l'air bien. Ce qui me fume, c'est vraiment genre, moi, vraiment, Animal Crossing à fond. Oh, pas lui, pas lui, pas lui. J'aime pas lui. Animal Crossing, ACNH. Ça se finit en live direct, c'est fou quand même. C'est fou. C'est fou, mais ce qui me fume, c'est vraiment genre, il y a que notre communauté française Animal Crossing, Fluffy, Arven Kor, Chao Kori, Cohen, vraiment, il y a genre nous. Après, c'est mes recommandations, donc c'est logique. Il y a que ma tronche à chaque fois, ça me fume. ACNH, animation. Ah, il y a Denzel. Oh là là. Lui, c'est un gros poulet. Lui, c'est un poulet. C'est tellement beau ce qu'il fait. Il est trop fort, ce mec. Pas de soucis, Inès, t'inquiète. Ah ouais, c'est quelle vidéo? T'es une star de fou. Oh là là. C'est tellement beau. Oh, you're not coming. No, I'm staying in case he's come here. But he's taking. Merci pour le follow. Wow, the megaphone. I didn't know we see as this. Je parle pas du tout anglais, je suis une merde. Je sais même pas comment on dit ces mots. I know. It's just. Please be careful, Kido. Ça veut dire quoi, Kido? Kido. Je parle pas anglais, les gars. Donc, there's that presence. Mais il est trop fort, lui. Je mets un like carrément de... Oh, c'est tellement beau. Générique de caillou. Épisode 9. Regardez comme c'est beau ce qu'il fait, Denzel. Tom nous pleura. Risette. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. En gros, Denzel, c'est un youtubeur qui fait l'animation sur plein de trucs et sur Animal Crossing, il est trop fort. Attends. Hé! Oh, c'est beau! Même la pluie! Ah, il y a Choco. C'est Choco? Philibert, Jacob, Gloria, Rinal, Molly. Vraiment, c'est incroyable. Le gars, c'est un goat. Un goat ultimate, même. Masque. Je peux pas faire la traduction, je comprends rien. C'est tellement magnifique. Mais je sais pas quoi dire, moi, c'est trop beau. Pietro, what are you doing? Oh, l'effet doré comme ça, c'est incroyable. Raymond, mon âme. Oh, mais franchement... Peut-être qu'il y a des sous-titres. Ouais, mais nous, on est bilingue. C'est faux. Totalement faux. Paramètres. Non, c'est pas là. Lecture réduite.
Sous-titres non disponibles. Bah super, comme ça ça va plus vite. Non Blair, j'ai la flemme. Par contre, je traduis mieux en italien. Alors que j'ai fait je suis pas logique moi. Si c'est en italien, je comprends hein. Là aussi je comprends. Mais c'est juste un peu la flemme avant 3 heures de traduire. Je peux t'y lire si tu veux. J'ai un accent, les gens vont me juger. Bitch. Come on. Pietro. Tiens, c'était langue de corps. Ouais, je sais pas, je parle mute. C'est pas logique, hein. Oh, la musique. Oh, la musique, c'est archi drôle, je m'attendais pas. Ok, we run. Mais il fait trop peur, là. Oula, oula, oula. Ah, Shaima, comment ça va? On parlait tout à l'heure comme quoi je voulais t'éclater la gueule. Et là, vraiment, je suis dans sa arrêter live depuis 20 minutes. Ça part en couille. Du coup, je regarde des vidéos. That's right. Cette vieille, j'adore. Mais j'aime trop Denzel. Oula, mais quel monde! What? Oh putain, la musique. J'ai éclaté la gueule. Oh, t'inquiète. T'inquiète, ça va le faire. Traduire, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, Blair. Oh. Oh non, il a reset. Non. I'm sorry, guys. Comme nous, gros rat. Oh non, mais ça veut dire qu'il va perdre toute sa partie. Et c'est saussade, quoi. Oh non. Ah, y'a Raymond, derrière. Oh non, mais je vais chialer. C'est Resetti, dégage, toi. Putain, l'effet de pluie, c'est trop beau sur lui. I'm sorry. No. Please. Oh. Je m'attendais pas. Non. 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 Non, dis-moi pas que ça va l'effacer. Ah bah si. Je vais chialer. Y'a un trou. Mais ce gars, il est trop fort. Mais payez-nous. Enfin, je sais pas, il est trop fort. Bisous la maison. Non. Non. On est horrible à reset nos îles, les gars. Vas-y, je vais plus jamais reset mon île. Maintenant, je suis trop triste. En fait, les gars, faut pas faire ça. Gardez vos habitants. C'est trop. Mais j'ai des frissons en tête de homme. I don't pay so good. No way. Pietro. C'est trop triste. Faut pas reset. Resetons pas nos îles. Oh. No. Non. Envie de chialer, mais chialons en fait. Putain, on dirait Témoin de Jéhovah là par contre. Adèle et Adèle. La maison de Pietro, de Raymond. Je vais chialer. Thibaut. Ninette. Abel Sisters. Crannies. Bon, si c'est pareil pour Tom Nook, on s'en fout. Hein. Jacob. Non, les maisons. Gros traître, gros rat, gros tanuki, on veut pas de toi. Dégage. Eh, pourquoi basculement vers l'iPad? Attendez, attendez, désolé. Ça m'a déconnecté. Reconnectons-nous. Oh. Thank God. I just realized that doesn't matter. Je sais même pas ce que je lis, je sais même pas ce que je lis. Trop tard pour se concentrer. Like. Very good.
Non. Les écologistes extrémistes de Shugi. Ça veut dire quoi, whatever? Whatever, je sais pas comment est-ce que ça veut dire. Ouais, toujours. Oh, je rigole. Ça me moque. Bonjour Nani, on regarde une vidéo super triste. Because we threw them. No way! And we won't forget this. I promise you that. C'est trop d'émotion. Coucou Chamallow. Mika, je m'en fous de la phrase complète, moi c'est juste le mot whatever, ce que ça veut dire. Je m'en fous de comprendre ce que la vidéo. Moi c'est le mot. Tony, Jérémy. Isabelle. Introduce yourself. Oh putain, c'est vraiment le truc basique en anglais. Introduce yourself, please. T'inquiète, Tony. What's happening? C'est peu importe, ok. The next bill will be. C'est fini? Ah, le prochain, putain, the next, je suis conne. The next, pas celui-là. Est-ce que vous voulez qu'on regarde une autre vidéo de Denzel? Ce gars est un génie. Je sais pas quoi dire, ce gars est un génie. Elle a fait combien de vues celle-ci? 800 000 vues, ça mérite plus. Il y a 2 ans, il avait 5 000 abonnés, là, il a 305 000. C'est amplement mérité. Vous voulez qu'on regarde laquelle? Une que j'ai pas vue. Après, j'ai pas tout regardé. Ouais, les animations sont trop bien faites. Isabelle Trim. Vraiment, ça part en live react à. I keep having this dream. I. Non, je déconne, je vais arrêter de parler sinon je vais m'insulter toute ma génération. Oh, c'est la pâte à modeler? Il a fait un effet pâte à modeler, on dirait qu'il y avait des empreintes de doigts. Il me chope. Oh non, c'est super triste là. Ah. Horrible. C'est tellement étrange l'animation de pâte à modeler, c'est bizarre. Deep. Ça veut dire profond. Ouais, parce qu'en plus je suis bilingue, enfin bref, you know. Le rêve d'Isabelle. Voilà, c'est mon côté bilingue. Ah, oh, Luna, c'est Serena. Oh. Le fourmilier. Et le nom du youtubeur, c'est Denzel. 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 Dites-moi si c'est assez fort. Elle va mourir. Comment ça, elle va mourir? Moi, je m'en fous, hein. Moi, c'était pour vous. Just relax. Genre vraiment le truc en mode just relax. On ferme les yeux, les gars. Clear your mind. Oh. Oh my god. C'est trop beau. Carrément, j'ai des frissons. Oh, la musique.